des écrivains françaises, c'est Alix de Saint-André, générique. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais avec Alix de Saint-André. Vous êtes écrivain, votre dernier livre c'est Garde tes larmes pour plus tard, une enquête sur Françoise Giroud qui nous a quittés il y a 10 ans, le 10 janvier 2003. Mais tout ce qui est... mais rien... 19. Plus... Le 19, mais excusez-moi, comme je viens d'écrire un livre sur elle, c'est assez frais dans ma mémoire. Mais rien de ce qui est catholique ne vous est étranger, j'allais dire, puisque vous avez écrit de nombreux livres sur les anges, vous avez raconté votre pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez même été reçu par le pape, brièvement, le pape Benoît XVI, hein, en 2010. Alors j'imagine votre stupéfaction quand vous avez entendu la nouvelle à la télévision, et la nouvelle, on l'a entendue partout dans le monde. Écoutez. We are coming on the air right now because Pope Benedict XVI is resigning. Womit selbst gut informierte Kreise im Vatikan. La decisión, la noticia se ha extendido por el mundo. À la surprise générale, le pape a annoncé sa démission ce matin. Не позволяет здоровье исполнять свой долг. Хай することになりました. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Alors c'était déjà arrivé, hein, on l'a dit, il y a plus de 600 ans, mais pour des raisons politiques, hein, c'était arrivé plusieurs fois. C'était arrivé, mais on s'en souvenait pas du tout. On s'en souvenait pas, mais en plus c'était toujours des raisons politiques. Là, c'est pour convenance personnelle. C'est quand même assez inédit. Bah, ça l'est complètement. Puis alors, quelle surprise merveilleuse, quand même, d'un type de stage là qu'on disait. Mais non, il est formidable, mais je trouve ça génial d'abandonner le pouvoir. Il n'y a aucun... Bah, attendez, il y a tellement de dictateurs qu'on aimerait voir prendre ce genre de décision. En général, quand on a le pouvoir, on s'y agrippe, on essaie d'y mettre de caser ses enfants, sa famille, et tout, de se faire réélire et réélire et réélire. Mais lui, il l'était jusqu'à la fin de ses jours, et il n'a pas de famille, de toute façon. Donc. Et voilà. Et il abandonne le pouvoir parce qu'il se sent physiquement diminué et fatigué. Et je trouve que c'est une magnifique décision. En plus, ça va créer des élections très gaies. Parce que d'habitude, c'est quand un pape est mort qu'il y a des élections. Et là, il n'y a même pas de pape mort. On va pouvoir s'amuser. C'est la fête, ouais. Oh, bah, la fête. Alors, totale. Il avait quand même prévenu Benoît XVI. Hein, il suffit de réécouter son homélie à Pâques l'année dernière. Il avait donné quand même un indice. Écoutez-le. Le temps pascal nous invite, à la suite de la première communauté chrétienne, à exprimer notre confiance et notre joie d'être baptisés. Jésus nous convie à ne pas être incrédules comme Thomas, mais croyons. N'ayons pas peur et ont l'audace de témoigner de notre foi. Jeudi prochain, à l'occasion du 7e anniversaire de mon élection au siège de Pierre, je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Quand on l'écoute, on se dit que soit les chrétiens n'ont pas prié assez fort, soit Dieu n'a pas voulu lui donner la force de continuer. Oui, enfin, de toute façon, c'est un choix personnel. Enfin, les chrétiens sont libres. Je crois que c'est quand même une religion de la liberté. Et c'est une preuve de liberté extraordinaire. C'est ça qui étonne le plus, qui étonne le plus le public, c'est de se dire, il est là par la volonté divine. C'est pas les cardinaux qui l'ont élu. Oui, mais lui, dans son texte de démission, il dit aux cardinaux, le pouvoir que vous m'avez donné. Il ne dit pas que Dieu, lui a donné à travers eux. Mais en tout cas, c'est une preuve justement d'une quelle liberté. Lui qu'on croyait le petit doigt sous la couture du pantalon, on en est dit tellement de mal de ce pape que de le voir aussi libre, aussi merveilleux quand même. C'est un risque, c'est merveilleux. Moi, je ne savais pas que c'était aussi rock'n'roll le catholicisme depuis deux jours. Non, mais ça peut paraître étonnant quand on se dit qu'il est, bon, que ce soit les cardinaux qui l'ont choisi, il est quand même là par la volonté de Dieu. C'est un peu comme si Louis XIV, qui était lui aussi un monarque de droit divin, avait démissionné avant la fin de sa vie. Ça peut paraître étonnant. Le pape démissionne, qu'en pense Dieu, quoi. Non, mais Louis XIV, c'est totalement différent parce que c'était par la naissance.
quand, du temps de la monarchie de droit divin, on croyait que Dieu lui avait donné le pouvoir par sa naissance. Donc ça ne pouvait s'arrêter qu'avec sa mort, évidemment. En France, d'ailleurs, ce n'est pas dans tous les pays pareil, mais effectivement, le roi restait au pouvoir, il restait roi jusqu'à sa mort, même quand il était fou. On a eu des rois fous, on a eu des rois... Il restait, mais ça n'a rien à voir. Lui, il a été élu, c'est autre chose. Le pape est élu par les cardinaux, par le Sacré Collège. Alors, on y voit évidemment la voix du Saint-Esprit quand on est catholique, mais j'espère bien que, Frédéric, vous ne voyez pas la voix du Saint-Esprit dans l'élection papale. Donc, il est élu aux deux tiers par le Sacré Collège, comme sera élu son successeur. Et il a tout à fait le droit de dire non. On a toujours le droit de dire non. On a le droit de dire refuser. Non à Dieu. C'est rare. Mais c'est, non, mais c'est assez fréquent chez les saints. Souvent, pour les évêques, par exemple, je sais pas, il y a des saint Grégoire, il fallait lui courir après, saint Augustin, pour qu'il soit évêque. Parce qu'ils n'ont pas envie, quand vous allez être saint, vous n'avez pas envie d'avoir le pouvoir. Parce que c'est contradictoire avec les valeurs spirituelles d'exercer un pouvoir. Si vous voulez, Jésus s'est voulu le serviteur de tous. Donc quand vous, le pape, c'est le serviteur des serviteurs, mais c'est quand même quelqu'un qui est un souverain pontife. Donc ce n'est pas une position facile du tout à exercer. C'est un travail énorme. Il a écrit tout le temps. Il n'a pas arrêté d'écrire des livres, de voyager, de prendre des positions et de les défendre, de les soutenir. Il a été très courageux. On attendait un type épouvantable, réactionnaire, le Panzer cardinal. On va y venir parce que c'est toujours l'image qui lui colle... à la peau, oui, mais oui. Vous disiez on est libre dans la religion catholique, même le pape est libre vis-à-vis de Dieu, en fait. Si Dieu l'a missionné pour être pape, il peut à un moment rendre son tablier. La preuve, écoutez, je ne peux pas dire autrement que je ne sais pas ce que lui a dit Dieu, mais en tout cas, là, il lui a dit, je suis fatigué, on va en trouver un autre parce que je suis vieux et fatigué. Et il a tout à fait le droit de dire ça. On a le droit de s'opposer éventuellement à la volonté de Dieu, et si on se trompe, si c'est Dieu qui avait raison. Non, mais c'est un dialogue. Vous lui répondez, Dieu dit un truc, vous répondez, vous avez tout à fait le droit. D'ailleurs, la prière, c'est ça, c'est une négociation permanente. Je veux ça, tu ne l'auras pas, je le veux, tu ne l'auras pas. C'est un bras de fer, c'est ça la prière. Vous vous privez de grande joie. On n'a pas forcément ce qu'on demande, mais c'est justement un dialogue. Ce n'est pas, c'est pas un dictateur fasciste, Dieu qui dit, vas-y, fais ça. Et puis alors le pape dit, d'accord, j'y vais. Et puis voilà, non. Et c'est intéressant que ça se passe tellement en public. Autant son prédécesseur avait vécu une agonie en public, ce qui n'existe plus non plus aujourd'hui. Comme pratiquement tous les papes d'ailleurs. Voilà, mais lui, il était mort sous les caméras avec tous ces jeunes du monde entier qui venaient sous ses fenêtres assister à son agonie. Et lui, le suivant, il dit, voilà, c'est pas du tout le même genre d'homme. Et quand il arrive au bout de ses forces et qu'il pense qu'il dit même dans le droit canonique, il est dit que c'est son devoir de quitter sa fonction s'il ne peut plus l'exercer. Donc son devoir aussi, c'est de répondre. On lui demande quelque chose, mais de répondre en fonction justement de son intelligence, de ses possibilités, c'est pas le petit doigt sous la couture du pantalon. Alors c'est vrai que dans tous les commentaires qu'on a entendus depuis hier, on rappelle toujours, on lui colle toujours l'étiquette conservateur. Est-ce que d'après vous, ça a été un pape conservateur, Benoît XVI ? C'est-à-dire que il avait hérité de ça dès le début, d'être conservateur. Pourtant, il avait participé au Concile Vatican II. Après, on a dit qu'il voulait liquider le Concile. En fait, il a fêté les 50 ans du Concile. Il a appliqué le Concile. Le problème, c'est que les gens mettent dans le Concile des choses qui n'y sont pas. Comme par exemple, les prêtres vont se marier, les homosexuels aussi. Ce n'est pas dans le Concile Vatican II du tout, ça. En revanche, tout ce qui est de le lien avec les autres religions, le dialogue avec les autres religions, le dialogue entre les chrétiens, tout ça, il a continué absolument à le faire. Il a en plus liquidé toute l'affaire des prêtre pédophile qui était vraiment pas, où il a découvert des choses, je pense, qui l'ont horrifié et attristé, épouvanté. Mais il a vraiment pris des mesures pour que jamais plus ça ne puisse se reproduire. Ça n'aurait jamais dû se produire, normalement. Le droit canonique, évidemment, n'encourage pas la pédophilie, c'est pas la peine de le dire, mais voilà. Il a été très, très courageux et très humble. C'est pas du tout un type... Je sais pas pourquoi on l'avait appelé Panzer cardinal, je pense que c'est parce qu'il était allemand et que c'est un côté oui. Comme ça. Mais en fait, c'est un petit monsieur, c'est pas du tout un grand costaud. Il était trop petit, même pour les soutanes qu'on lui avait préparées au futur pape élu. On a dû attendre un peu en avoir une à sa taille. Oui, c'est vrai taille. Que quand ils siègent, les cardinaux, ils sont en noir. Et comme l'un d'entre eux est élu, il met une tenue blanche. Donc il y en a qui sont prévus de toutes les tailles. Voilà, comme on ne sait pas qui va être élu, on prévoit trois tailles de costumes pour le futur pape. Et lui, il était même pour le small, il était un peu petit pour le small. Donc voilà, ce
c'est un intellectuel, c'est un homme très doux, tous les gens qui l'ont rencontré, très doux et qui écoute, alors qu'on pensait que ça allait être, comme il avait été préfet de la Congrégation de la Foi, c'est l'ancien grand inquisiteur, pensait qu'il allait donner des grands coups de partout, mais pas du tout. Il a même autorisé l'emploi du préservatif, dans certains cas, a-t-il dit, mais enfin, c'était un grand pas par rapport à... En tout cas, il en a parlé. Alors, la chose aussi originale, il a fait plusieurs choses originales, mais ça a été de donner une interview. Jamais un pape n'avait donné d'interview, et au bout d'un certain temps de pontificat, il a donné un interview à un journaliste italien pour expliquer, en gros, toutes les erreurs de communication qu'ils avaient faites, parce qu'ils en ont fait pas mal au début, et comment s'étaient passées les choses. Donc, il est revenu justement sur l'histoire de préservatif, parce que c'était à Jean-Paul II qu'on reprochait d'interdire le préservatif, alors qu'il n'en avait jamais parlé. Lui, au moins, abordait la question. Il était écologiste. Écologiste, oui. Il a fait mettre des panneaux solaires sur tout le Vatican. Il était il a fait une encyclique, d'ailleurs, sur l'économie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y en a une sur l'économie, l'écologie, et qui a été lue qui est très intéressante, je pense, justement, sur l'économie à venir. Donc là, c'est une vraie fête pour vous, puisqu'on va élire son successeur. Alors que lui n'est pas mort, je trouve ça génial. Mais c'est jamais... Alors ça, je pense que vraiment, c'est jamais arrivé. D'habitude, c'est plutôt triste, parce qu'il faut d'abord en enterrer un pour en élire un autre. Et là, non, il va être toujours là. Et puis... Il va s'habiller comment, maintenant ? Eh ben, je me demandais ça, parce que justement, alors il ne peut plus garder le costume de pape. Je pense qu'il va s'habiller en cardinal. Il reste cardinal, donc il va être en noir avec du rouge. Enfin, c'est peut-être pas... Quand il a été élu, il y a presque 8 ans, quand son nom est sorti, les gens avaient été un peu déçus. Ils s'attendaient à un Africain, un Latino-Américain. Est-ce que ce sont les mêmes qui vont voter, là, pour son successeur, que ceux qui l'ont élu il y a 8 ans ? Alors, pas du tout. Le Sacré Collège, ça s'appelle le Sacré Collège, dans l'ensemble des cardinaux qui élisent le pape, donc qui sont des gens qui ont moins de 80 ans et qui sont cardinaux. Il y en a 65 qu'il a créé lui-même, qui ont dit créer cardinal, qu'il a donc qui sont son choix à lui. Et donc ça a été renouvelé, le collège a été renouvelé de moitié. Ils sont 120. On ne sait jamais, mais c'est assez amusant. C'est un peu comme le festival de Cannes, quoi. Personne n'a vu les films, mais tout le monde a une idée sur qui doit gagner la palme et qui doit avoir un peu. C'est un peu comme ça. Ça va être amusant jusqu'à Pâques. On va s'amuser à ça. C'est plutôt bien, enfin, et tout le monde va passer. Catholiques. Non, tout le monde a un avis. Non, c'est comme à Cannes. Il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour avoir un avis sur le festival de Cannes. Vous croyez ? Vous vouliez dire un mot sur cette démission papale ? Oui, parce que ce qui me frappe, c'est le renoncement de quelqu'un qui est au sommet des honneurs, d'une puissance spirituelle. Mais enfin, ça m'a fait penser à l'abdication de Charles Quint, qui était le maître d'un gigantesque empire et qui abandonne ce pouvoir. Et ce qui me touche, disons, c'est le renoncement. Quand on est au sommet d'une gloire et toutes ces choses, alors que les gens s'accrochent, comme l'a rappelé Alix, il y a un moment, certains êtres décident de renoncer, c'est-à-dire au nom d'une sagesse supérieure. Et bon, disons, nous ne sommes pas papes, nous ne sommes pas grand-chose, mais je pense que c'est une leçon pour chacun, c'est-à-dire de savoir qu'à un moment de notre vie, nous devons renoncer à quelque chose parce que nous ne pouvons plus le faire correctement. Non, c'est vrai que c'est ça qui est frappant, c'est ce renoncement. Et j'allais dire, derrière ce renoncement, c'est un acte d'une grande liberté, vous l'avez dit, mais c'est aussi un acte très humain, très individuel. C'est ça qui est troublant aussi, parce qu'on voit le pape comme une institution, c'est évidemment une fonction monumentale. Et alors, il y a l'interprétation que vous avez, qui est au fond la sagesse ultime, mais il y a aussi une interprétation peut-être plus triviale, mais qui a sa part de beauté, qui est celle de l'homme pour qui, justement, la charge est trop lourde, et qui est un homme, et qui dit « je suis un homme ». Et finalement, c'est l'un des rares papes, à l'exception de ceux qui avaient démissionné avant lui, enfin renoncé avant lui, à dissocier son corps de la fonction. Normalement, on ne le choisit pas. C'est la mort qu'il fait pour vous, quand on est pape. Et là, c'est l'exercice de son libre arbitre que de dissocier les deux. C'est ça qui est assez très moderne, touchant. Hein. Et très, très moderne, sans doute. Valérie Rabeau. Moi, je trouve que c'est le message de liberté, qui est de libre arbitre, on peut l'appeler comme on veut, qui est donné par ce geste de démission. Et c'est vrai que quand on repense à ce qui se passait pour Jean-Paul II, quand on revoit les images de la fin, avec une agonie qui a été assez longue et pénible et qui était médiatisée d'une manière presque un peu
un peu choquante, parce qu'effectivement, on a envie de... Un pape est un homme, avant tout. Oui, mais enfin, il ne s'appartient pas, normalement, c'est comme un roi. Oui, mais là, il avait dépassé le seuil où, effectivement, il ne s'appartenait plus, il appartenait aux images ou ce qu'on pouvait en voir. Et là, je trouve quand même que c'est un acte de liberté incroyable, mais liberté humaine, qui s'exprime sur cette décision. Jacques Cheminade. Ah, moi, je vois même plus. C'est une remise en cause de l'esprit de possession qui règne dans notre société. Et on devrait relire toutes les encycliques pontificales. On parle trop des papes et pas assez de ce qu'ils ont écrit, depuis Rerum Novarum de Léon XIII jusqu'à aujourd'hui. Et on verrait la condamnation de cette société, de l'argent qui va à l'argent dans lequel nous vivons, et de l'immédiateté. On est engoncé, enfoncé dans le présent. Et là, c'est l'avenir qui nous est montré dans ce renoncement. Irezaki, un mot ? Ben, je pourrais, pour changer un petit peu de discours, dire que les responsabilités en général aujourd'hui pour toutes les personnalités de très haut niveau deviennent très lourdes à porter. Je pense que là, il y a eu un changement ces dernières années. C'est-à-dire que si vous regardez le Vatican a été mêlé à des affaires, je ramène un petit peu le sujet un petit peu à la finance, excusez-moi, à des affaires aussi de blanchiment d'argent, etc. Il faut pouvoir assumer différents scandales, il faut pouvoir supporter la corruption aussi qui existe, qui est une réalité au Vatican. Je ne suis pas pour faire de l'angélisme à tout prix. Et donc, porter ses responsabilités aujourd'hui, qu'on soit dirigeant d'entreprise, politique ou même pape, dirigeant, leader spirituel, ça devient très lourd. On ne saura jamais qu'est-ce qui, au fond, dans la conscience de Benoît XVI, a dicté vraiment sa décision. Mais j'insinue peut-être cet élément qui peut avoir aussi... Ça devient très lourd, mais ça a toujours été lourd. C'est plutôt moins lourd qu'avant, du temps de Charles Quint, justement, ou de Napoléon. Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes plus faibles qu'avant ? Oui, mais c'est beaucoup plus exposé aujourd'hui. Au monde entier, il y a beaucoup d'informations qui passent aujourd'hui. Olivier Berruyer. Non, c'est un exemple intéressant d'une gestion du vieillissement de la population. Aussi, on voit aussi c'est le pape le plus âgé qu'on ait jamais eu, je crois. Oui, tout à fait. Donc il arrête. Et puis, je pensais à un autre exemple, après tout, qui est aussi la reine d'Angleterre, qui, elle, choisit de rester, a priori, jusqu'au bout, avec un fils qui doit avoir des ambitions assez déçues sur son rôle. Alix, un dernier mot ? L'avantage du pape, il n'a pas de fils. Non, je trouve que c'est un formidable coup de jeune pour l'Église catholique qu'a donné ce vieux pape. Merci d'être venu nous voir ce soir pour la démission du pape. Ça n'arrive pas tous les jours, effectivement, Alix de Saint-André. On va s'intéresser maintenant à la guerre contre la finance. Est-elle déclarée ? Des fronts se sont ouverts en France, aux États-Unis, en Islande. On en débat tout de suite avec Valérie Rabault. Vous êtes économiste, députée socialiste, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous avez été jusqu'en 2011 responsable de la prospective et des risques des marchés dans la banque d'investissement BNP Paribas. J'ajoute que vous avez coécrit « Les 30 Glorieuses sont devant nous » avec Karine Berger, que nous avons reçue à plusieurs reprises sur ce plateau, et qui est la rapporteure du projet de loi sur la réforme bancaire présenté aujourd'hui à l'Assemblée. François Langlais, vous avez dirigé les rédactions des Enjeux Les Échos, de La Tribune, de BFM Business. Vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef du service France à France 2. Votre dernier livre, Qui va payer la crise, est paru en septembre. Jacques Cheminade, vous êtes militant du parti Solidarité et Progrès et non pas président, comme on le croit. Vous avez été candidat aux élections présidentielles de 1995 et 2012. À chaque fois, vous avez obtenu le score le plus faible, moins de 90 000 voix. Votre dernier livre, Un monde sans la City ni Wall Street, est paru il y a un an, en février 2012. Mireille Zaki, vous êtes suisse. Vous avez travaillé plusieurs années au sein de la Banque Lombard de Genève, avant de devenir journaliste financière au quotidien Le Temps, puis au magazine économique Bilan. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les banques, la finance et l'économie. Le dernier, c'est La fin du dollar. Olivier Berruyer, vous êtes actuaire, c'est-à-dire spécialiste de la gestion à long terme du risque financier. Vous êtes fondateur du blog lescrises.fr et l'auteur de plusieurs livres sur la crise. Le dernier s'intitule « Les faits sont têtus ». Vous y expliquez que la croissance forte ne reviendra pas en Europe et qu'à l'heure des comptes, il faudra choisir entre les contribuables et les épargnants pour rembourser la dette, c'est-à-dire entre les jeunes et les vieux, si j'en crois François Langlais, qui dit à peu près la même chose. Enfin, Edgar Morin, qu'on n'a plus besoin de
présenter sur ce plateau. Vous êtes philosophe, sociologue, vous êtes le penseur de la complexité, traduit et célébré dans le monde entier. En 2010, vous aviez publié « Comment vivre en temps de crise » avec Patrick Vivray. Depuis, 6 livres sont sortis, dont « La voix » et « Le chemin de l'espérance ». Et demain paraîtra en librairie « Mon Paris, ma mémoire », qui retrace les étapes de votre vie parisienne depuis votre naissance, rue Mérand, dans le 9e arrondissement, il y a 91 ans. Et paru également votre journal de 1962 à 2010. Alors on commence tout de suite avec l'actualité française, hein, puisque c'est aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale commence le débat sur le projet de loi de régulation et de séparation bancaire qu'avait proposé François Hollande pendant sa campagne. Regardez. C'était l'un des moments forts de la campagne, quand le candidat Hollande déclarait la guerre aux financiers. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. Pour y arriver, le gouvernement a prévu une banque principale où seront regroupés les dépôts et les opérations boursières faites pour le compte d'un client. Une filiale sera, elle, dédiée à ses propres opérations. Selon certains, il aurait fallu séparer plus clairement. Mettre d'un côté toutes les activités de marché et de l'autre les dépôts des particuliers. Mais les banques s'y sont opposées. L'engagement qui a été pris par François Hollande, c'est-à-dire de séparer les activités spéculatives des banques de celles qui sont utiles à l'emploi et à l'investissement, il est tenu et complètement tenu. Ce n'est pas une loi faite par ou pour le lobby bancaire, c'est une loi qui est faite pour les Français et pour éviter qu'on spécule sur le dos des déposants. C'est un peu compliqué à séparer, mais c'est faisable en France. La preuve, les États-Unis ont fait cette réforme en 2009 et le Royaume-Uni vient de décider de la faire pour les années à venir. Sous la pression du Parlement et de l'opinion, le gouvernement britannique muscle sa réforme bancaire lundi, jour de l'arrivée du projet de loi aux communes. Le ministre des Finances, George Osborne, a menacé les banques britanniques de séparer purement et simplement leurs activités de détail et d'investissement si elles ne respectaient pas les nouvelles règles. Mon message aux banques est clair. Si une banque passe outre les règles, le régulateur et le Trésor auront ensemble le pouvoir d'opérer une séparation totale entre banques de détail et d'investissement et pas seulement un décloisonnement. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Berlin ne contraint pas les banques à scinder leurs activités les plus risquées de leurs activités de dépôt. Selon le projet de loi, les banques sépareront leurs activités de trading pour compte propre de leurs activités de dépôt et de crédit uniquement quand les montants engagés sur les marchés dépasseront 100 milliards d'euros ou 20% de leur bilan. Alors Valérie Rabault, vous êtes députée socialiste. On a dit que ça n'allait pas assez loin, cette séparation, que les banques s'y étaient opposées, c'est ce que disait le sujet de TF1. Certains, d'ailleurs, sur ce plateau vont vous le dire dans quelques instants, dont Marc Touati, qui est en retard, mais qui va arriver. Non, lui, il va vous dire le contraire, qu'il ne fallait pas le faire, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est à cette loi dont on discute aujourd'hui et pas d'une réelle séparation comme certains l'avaient imaginé. Oui, mais pas comme les exemples américains et anglais ne sont pas mis en œuvre. Les Américains ne savent pas le faire. Ils ont un règlement qui fait 3000 pages, donc c'est absolument pas mis en œuvre. Où effectivement, ils avaient proposé d'enlever les activités pour compte propre, de les sortir des banques, mais comme ils n'arrivent pas à le définir de manière spécifique, ils ont un règlement qui fait 3000 pages, qui est inappliqué et peut-être inapplicable. J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, inappliqué. Quant aux Anglais, ils sont en train de discuter de leur projet de loi, mais pour 2019. Donc discuter de quelque chose pour dans 6 ans, ce n'est pas la même chose que discuter de quelque chose qui va être mis en œuvre maintenant et qui va pouvoir être mis en œuvre tout de suite. Sur le projet français, l'objectif qui est vraiment le cœur de ce projet de loi, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'argent public, que ce soit de l'argent qui soit amené dans du capital ou des liquidités, qui viennent à la rescousse d'activités spéculatives qui ne financent pas l'économie. C'est vraiment le principe fondateur de se dire qu'il ne doit pas y avoir d'argent public qui aide ces activités-là. Alors, le principe a été de dire on fait une filiale. La filiale ne sera pas aidée. Si elle connaît des difficultés, tant pis pour elle. Ce seront les actionnaires de la filiale qui perdront leur argent. Et dans cette filiale, il y a un certain nombre d'activités qui sont mises.
dont on pourra reparler, mais les activités de financement des PME, les dépôts, restent dans la maison mère. Et ces dépôts-là bénéficieront aussi d'un fonds qui sera abondé par les banques. Donc c'est ça la philosophie, c'est de dire pas d'argent public qui vienne à la rescousse d'activités spéculatives. Yaretzaki, vous observez ça depuis la Suisse. Quelle impression ça vous a fait? Est-ce que c'est si révolutionnaire que ça? Alors, d'abord, on peut saluer le fait que la France soit effectivement la seule à bouger aujourd'hui, parce qu'en Suisse, rien ne s'est passé. UBS et Crédit Suisse continuent d'être des banques qui intègrent banques d'investissement et banques de dépôt. C'est vrai que le lobbying est présent partout. Aux États-Unis, rien ne se passe. Ce sont des banques encore plus grosses qu'avant 2008, hein, qui sont aux États-Unis. Le risque systémique est plus grand qu'en 2008. Avant 2008, mais je pense évidemment que si vous avez une filiale, elle peut être active à Londres, à New York. Comment vous allez surveiller les activités? Je vous donne l'exemple de l'UBS qui avait UBS Amérique. Eh bien, son siège zurichois n'avait aucune idée des activités spéculatives qui se passaient à New York, à Stanford, dans les salles de marché. Ils étaient les derniers au courant. Quant à l'autorité de surveillance bernoise, hein, la FINMA chez nous, ne savait absolument rien et était parfaitement incapable de surveiller les activités de la filiale américaine jusqu'au jour où finalement on a hérité des pertes. C'est le siège, c'est la Suisse qui a dû sauver. S'il faut sauver, si on vous dit voilà, ça va mettre en danger toute l'économie, etc., nationale, quelqu'un doit sauver. Vous dites on va les laisser partir en faillite, mais c'est quand même la filiale d'un même groupe et l'actionnaire est actionnaire du groupe. Par ailleurs, Citigroup avait des entités hors bilan, vous vous souvenez, avant 2008. Ces entités hors bilan, elles étaient complètement cachées à la vue du public, des actionnaires. Mais quand ces entités hors bilan ont fait faillite, ont été complètement asséchées en liquidité. C'est quand même Citigroup qui a hérité. Malgré tout ce qu'elle affirmait jusque-là, elle a hérité des pertes et c'est le contribuable américain qui a dû finir par refinancer, recapitaliser. Valérie Larmeau, une réponse? Il y a des filiales. Aujourd'hui, l'autorité de contrôle prudentiel, l'ACP, contrôle les filiales des groupes bancaires français. C'est quelque chose qui est contrôlé, où il n'y a pas, en tout cas pour les banques françaises, il n'y a jamais eu de découverte d'une filiale au fin fond de je ne sais où qui aurait fait des pertes, qui aurait dû être absorbée. C'est peut-être le cas de la Suisse, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une autorité de contrôle prudentiel qui couvre l'ensemble de ces filiales. Sur ce que vous dites sur les garanties cachées, ça fait partie de l'ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, Citigroup ne pouvait pas dire, le cas que vous citez, sur il y a des garanties, ah bah tiens, on est appelé, on ne savait pas qu'il fallait qu'on paye. Ça, il y a aussi des engagements hors bilan qui sont extrêmement précis. Mais ce que je veux dire, c'est quand on met une filiale, les grands risques, le principe des grands risques s'applique, il n'y a pas de recapitalisation. Et ça, c'est très clair, des activités de la filiale. Et encore moins d'argent public. Et ça, je crois que c'est un principe vis-à-vis des contribuables de notre pays qui doit être, qui est mis en œuvre par cette loi et sur lequel on s'appuie fortement. Olivier Barillet. Moi, ce qui me gêne dans cette loi, au-delà de savoir si elle est efficace ou pas efficace, c'est déjà, je dirais, sa malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'après, on peut discuter de savoir s'il faut faire quelque chose ou faire le contraire, s'il faut séparer ou pas séparer. Mais ce qui est profondément malhonnête, c'est de dire qu'on sépare alors qu'on ne sépare rien. La question, c'est qu'aujourd'hui, dans les banques, vous avez des activités de dépôt, notre argent, et vous avez des traders qui spéculent sur différents produits. L'idée est de savoir si on sépare et qu'on met les traders dans une filiale. Donc le gouvernement, et le ministre l'a encore entendu, vient de dire « oui, il n'y a pas de souci, bien sûr, on a mis ça dans une filiale ». Les banquiers ont dit encore la semaine dernière que la filiale en question ferait peut-être, dans le meilleur des cas, quelque chose comme 0,75% du bilan ou du chiffre d'affaires. Donc, autrement dit, il ne faut pas vous inquiéter, Mirette, pour savoir si on peut contrôler la filiale. Pour le moment, il n'y a rien dans la filiale. Donc c'est quand même un problème, et dans le projet de loi, on n'a pas la taille du filiale. Je peux préciser qu'on a fait une étude sur le risque systémique des banques européennes. Je crois que Crédit Agricole a 100%, 100 fois plus d'actifs que de fonds propres, donc ça ne peut pas être des risques aussi petits. Il y a un effet de levier très important sur son bilan, désolé si c'est un petit peu technique. Je crois que Société Générale ou BNP Paribas a 20% d'activités de dérivés. Attendez, parce que là, on ne comprend pas les activités de dérivés. Non, mais activités spéculatives représentent 20% du bénéfice de BNP Paribas, d'après une étude qui a été faite avec l'Institut donc de Finance ça va, et Harvard. Ça va, ça, ou 20%, ça va pas? Ce n'est pas 1%. C'est un peu plus. C'est très important. C'est très élevé. Il y a déjà deux choses. Si on avait appliqué la loi en 2006, bon, je pense que je suis d'accord avec vous que le chiffre des 0,75, j'étais moi-même en commission des finances quand on a posé la question. Et je me permets aussi de dire que la rapporteure Karine Berger a fait des demandes de tableaux précis pour lesquels on n'a pas eu d'éléments. Donc c'est aussi pour ça que sur la... Les banques ne vous ont pas...
Il n'y a pas eu de précision, il n'y a pas eu de précision là-dessus. Et voilà, tout ceci est public, les auditions sont faites de manière publique. Donc là, il n'y a pas eu de réponse, sauf le chiffre qui a été avancé. Donc la réponse que nous, parlementaires, avons faite, c'est qu'on a déposé un amendement qui vise à dire, ben, puisqu'il n'y a pas de réponse précise sur ce point-là, on donne la main au ministre de l'économie via un décret pour que, au-delà d'un certain seuil, on transfère dans la filiale. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même ? Pourquoi le législateur redonne la main au pouvoir administratif ? Ce n'est pas administratif. Le ministre des Finances, ce n'est pas administratif. Oui, mais il revient le quand ministre même des Finances, c'est un politique. Oui, mais d'accord, mais justement, en tout cas, ceux qui sont élus, les représentants de la nation, ce sont les députés. Ce n'est pas l'administration qui doit définir où est le seuil. Et je vous repose la question. Dans ce cas-là, on a 4 banques systémiques. Combien de banques sur les 4 vont mettre des activités dans la filiale au titre du décret du ministre ? 0, 1, 2, 3 ou 4 les quatre mettront des activités dans la filiale. Alors, d'accord, donc si elles mettent tout dans la filiale, on aurait pu dire dans la loi qu'on mettait toutes les activités en question. Je dis qu'elles mettaient tout dans la filiale. Attendez, on dit au-delà d'un certain seuil. Au-delà d'un certain seuil. Et encore une fois, je me permets d'insister, on est les premiers à le faire. Les premiers, ça vous ne pouvez pas dire le contraire. Ça c'est tout à fait vrai. On est les premiers à faire une réforme. Mais les Anglais, qui est pourtant un gouvernement conservateur, font une réforme beaucoup plus ambitieuse. C'est vrai à l'horizon de 2019. Je pense personnellement qu'il vaudrait mieux une réforme ambitieuse et efficace dans 5 ans qu'une réforme très faible tout de suite. Ils ne financent pas totalement de la même façon leur économie. François Langlais, soyez un peu pédagogue pour qu'on comprenne. Le problème central, c'est qu'on a créé des monstres de la finance au fil du temps. Et que le pouvoir relatif de ces grands ensembles est un problème pour l'économie quand ça va mal. C'est-à-dire que si une grosse banque fait faillite, pour le coup, on est obligé de mobiliser l'argent des contribuables. C'est ce qu'on a fait massivement pendant la crise. L'Irlande, imaginez-vous, pour sauver ses banques, elle s'est chargée de 30% de dette publique supplémentaire. C'est-à-dire que c'est les contribuables qui ont dû payer cela. Les actionnaires n'ont pas payé un fifrelin. C'est la même chose, d'ailleurs, dans la plupart des pays qui ont connu ces difficultés. La Grèce étant un peu à part, puisqu'on a allégé quand même la dette de la Grèce. Donc le problème aujourd'hui, c'est ce fameux trop gros pour too big to fail, hein, trop gros pour faire faillite. Et on cherche un moyen de circonvenir le monstre. On n'y a pas encore réussi. Votre loi est certainement une tentative louable sur la route de, justement, cette maîtrise des monstres. Mais les monstres sont toujours là, ils sont en liberté. Un jour ou l'autre, pardonnez-moi, on aura besoin de l'argent public parce que, justement, la surface financière, les technologies sont tellement sophistiquées, la mondialisation, l'interpénétration des circuits est telle qu'il n'y a pas de certitude d'être en parfaite sécurité. Pour avoir une finance plus sûre, il faudrait probablement une finance moins mondialisée. On y vient petit à petit. Comment, si vous voulez, le marché de la dette publique, par exemple, en Europe, il s'est renationalisé, c'est-à-dire il est détenu davantage par les investisseurs nationaux. Mais alors, ça pose tout un tas de problèmes parce que malgré tout, une finance moins mondialisée, c'est aussi une finance qui fait moins de croissance. Elle fait moins d'argent, donc les financiers ne sont pas contents. Il y a des intérêts considérables derrière tout ça, il ne faut pas l'oublier. Et notamment aux États-Unis, tous les responsables de la politique monétaire ou de la politique financière des États-Unis viennent des grandes banques américaines. Des grandes banques privées. Et après leur fonction, ils retournent dans les grandes banques privées. Mais ce n'est pas le cas en France. Ça n'est pas le cas en France. C'est probablement moins le cas en France. Mais il y a quand même des allers-retours entre l'administration et, les grandes banques. Mais les excès américains ne sont pas comparables à la situation française. Marc Touati, qui vient d'arriver, va nous rejoindre. Vous êtes ancien directeur de la recherche économique et financière des groupes Banque Populaire et Natixis. Vous dirigez aujourd'hui le cabinet aux commandes de l'économie et de la finance. Et votre prochain livre, Le dictionnaire terrifiant de la dette, paraîtra le 8 mars. Alors vous êtes totalement hostile à la loi qui est en train d'être discutée, cette loi de séparation des banques qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Là où je suis hostile, c'est que je pense que ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé pendant cette crise. S'il n'y a pas eu de faillite bancaire en France, c'est justement parce que les banques d'affaires étaient rattachées aux banques de dépôt. Je prends mon exemple. Vous avez cité Natixis, par exemple. Je travaillais à l'époque dans cette banque-là. Bon, je suis parti en 2007, avant que ça s'écroule. D'ailleurs, depuis que je suis parti, ça s'est effondré, effectivement. Mais c'est vrai que Natixis a été sauvé par la Banque Populaire. S'il n'y avait pas eu derrière, effectivement, la banque normale, on va dire, eh bien peut-être que Natixis aurait fait faillite. Donc, est-ce que ce serait grave s'ils ont fait des bêtises? Ça arrive tous les jours. Le problème, c'est après, c'est le risque qu'on a eu avec Lehman Brothers. À la base, on a dit, c'est pas grave, c'est qu'une banque d'affaires, finalement. Et puis, le problème, c'est que souvent, les banques d'affaires financent l'ensemble du système. Je pense que c'est ça qu'on a oublié aussi. C'est qu'on a oublié le métier des banques.
Le métier des banques, ce n'est pas de vendre des téléphones. Hein. Je sais que c'est le cas aujourd'hui parfois. Le métier des banques, c'est de financer l'économie. Or, bien sûr qu'il faut contrôler les activités trop risquées, les activités trop dangereuses qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est évidemment indispensable. Et c'est vrai que avant la crise des subprimes, du moins avant l'explosion de la crise, il y a eu des dérapages. C'est-à-dire qu'on a confié les marchés, non plus à des financiers, non plus à des économistes, mais à des ingénieurs, des mathématiciens, qui ont un petit peu dévoyé la finance en laissant croire une chose qui n'est pas possible, en laissant croire qu'on pouvait augmenter le rendement sans augmenter le risque. Encore une fois, ce n'étaient pas des voyous de la finance qui ont fait ça. C'était des gens très, je dirais, très capables, entre guillemets, des ingénieurs, des mathématiciens. Et ça, ce n'était pas possible, bien entendu. Donc ça, il faut lutter effectivement contre ces produits qu'on ne comprend pas. Il faut de la transparence. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à l'époque, grâce à effectivement ces produits financiers qui étaient très rentables, eh bien, les banques normales ont aussi pu octroyer des crédits à l'économie. Donc la crainte que moi j'ai aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire très attention, c'est qu'on confond le problème des banques. Ce n'est pas un problème du risque. Le métier des banques, c'est de prendre des risques. C'est un problème de gestion du risque. Et c'est là où est la grande difficulté. C'est qu'aujourd'hui, si effectivement on casse complètement, on fait une césure, bon, pourquoi pas, je le vois tous les jours, nous avons ce qu'on appelle des ratios de solvabilité, des ratios prudentiels, où on impose aux banques justement de limiter leur prise de risque par rapport à leurs fonds propres. Mais Marc, il faut rappeler quand même que la séparation, elle existait aux États-Unis jusqu'en 99. Oui, on a vécu 1933. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est-à-dire c'est pas en faisant ça qu'on va changer complètement le système et que tout ira au mieux dans le meilleur des mondes. Ça, c'est le problème. Juste sur ce point très important, c'est qu'aujourd'hui, avec ces ratios très contraignants de ce qu'on appelle de solvabilité, il y a un phénomène détestable qui est en train de se produire, c'est qu'on dit implicitement aux banques, investissez dans les bons du Trésor, etc. Bon, très bien, mais elles ont de plus en plus de mal à financer l'économie risquée, à financer les petites PME, les entreprises. Elles leur disent, oh non, vous êtes trop risqués pour moi. C'est ça qui aujourd'hui est dangereux, et je pense qu'en faisant cette césure, ça ne va pas changer grand-chose. C'est ça ce que je veux dire par là. On ne s'attaque pas au vrai problème, qui est un problème de transparence, qui est un problème de croissance qui n'est pas là, de financement de l'économie et de ratios qui sont trop contraignants. Vous savez que les États-Unis aujourd'hui ont décalé à on ne sait pas quand d'ailleurs l'application des règles qu'on appelle Bâle III, c'est-à-dire des règles extrêmement contraignantes, parce qu'elles savent que les banques américaines ne peuvent pas faire ça si elles veulent financer l'économie. Alors c'était vrai, c'est arrivé aux États-Unis, c'était Roosevelt qui l'avait voulu. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le discours de Roosevelt, son discours d'investiture, quand il dit ce qu'il va faire, et il va le faire. We must act quickly. And finally, in our progress towards a resumption of work, we require two safeguards against a return of the evils of the old order. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. And there must be provision for an adequate but sound currency. Je vais donner tout de suite la parole à Edgar Morin, mais Olivier, vous disiez que ça avait existé en France aussi, parce que ce qu'il a fait là, en 1933, ça a duré jusqu'en 1999. C'est sous Clinton que ça... Aux États-Unis, ça a été comme ça. En France, ça a été voté en 1945 et ça a duré jusqu'en 1984. Et en pratique, jusqu'au milieu des années 90. C'est pour ça que BNP et Paribas ont dû attendre 1999 pour fusionner. Comme quoi, le système marchait très bien avant, quand il y avait BNP d'un côté et Paribas de l'autre. Et pour répondre à M. Toiti, je dirais, moi, personnellement, je pense que l'argent des dépôts n'est pas là pour éponger les pertes des traders. Si les traders de la banque d'investissement font n'importe quoi, eh bien qu'ils vivent leur vie, qu'ils encaissent leurs pertes, et de même que les actionnaires. Mais fusionner tout ça dans la même structure en disant c'est pas grave, les dépôts de tous les téléspectateurs épongeront les pertes des traders. C'est pas une vraie fusion. Les deux métiers sont quand même séparés dans toutes les banques. Vous avez très bien dit que chez Natixis, c'est BPCE qui avait épongé les pertes des traders. Non, disons que globalement, elle a évité, parce que le problème, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. C'est-à-dire quand effectivement le gouvernement américain prend la décision de laisser faire faillite Lehman Brothers, il se dit, bien fait pour eux. Oui. Sauf qu'il a oublié que Lehman Brothers, c'était la banque d'affaires de toutes les banques dans le monde. Pas que les méchants spéculateurs. C'est ce que je veux dire par là. Donc bien sûr qu'il y a eu des erreurs, bien sûr que les marchés ont une part de responsabilité. Je ne veux pas les dédouaner du tout. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'une plus grande transparence. Et donc moi, ma crainte, c'est qu'en disant on fait cette coupure, on fait des ratios très contraignants, on croit que tout est réglé alors que ce n'est pas le cas. Il y a deux choses. Il y a la digue qu'on veut mettre, c'est de dire
qu'on ne veut pas que d'argent public aille renflouer les activités spéculatives. L'argent public, c'est-à-dire ? Ben, l'argent public, quand vous donnez une garantie d'ENA... L'argent public des déposants, ça veut dire pas public, non, pas des, pas y a l'État. À la fois les non, déposants, non, mais à un moment donné, l'argent des contribuables. Il y a quand même des établissements qui ont été renfloués. Renfloués mais qui ont remboursé l'argent. Mais j'ai pas dit qu'elles n'avaient pas remboursé, mais si elles n'avaient pas été là pour être renflouées ou faire la garantie, elles seraient mortes. Certes, mais elles seraient mortes. Je suis d'accord. Sauf que si on avait laissé les banques faire faillite, on serait peut-être pas là aujourd'hui. On en parlera tout de suite à l'heure avec l'Islande, d'ailleurs. Ce que vous êtes en train de décrire là, c'est que la puissance publique se retrouve, sorte, prise au collet. Non, pas du si, tout. Si, si, c'est exactement non, le mécanisme que vous, décrivez là. Il y a eu des est-ce erreurs. Qu'on veut pas, elle aurait dû réagir. Malheureusement, elle n'a pas réagi en amont. Une fois que le mal est fait, il fallait qu'elle réagisse. Et je vous donnais juste un chiffre. Non, mais justement, ce projet de loi, c'est de dire, si on sent qu'il y a un échauffement sur certaines activités, le ministre, par décret, peut dire, au-delà d'un seuil, je transfère à la filiale. Et là, il n'y a pas d'aide. Très bien. Mais juste pour l'État français, ce que je veux dire, par rapport aux aides qui ont été faites, il faut savoir ce qu'il en est retourné ensuite. C'est que l'État français, à l'époque, donc en 2008, s'endettait sur les marchés à un taux de 3% et prêtait aux banques un taux de 8%. Cet écart de taux d'intérêt a ramené 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Ça a été lucratif pour l'État. J'ai pas dit que d'ailleurs, l'État on se demande ce qu'ils en ont gagné. Fait après quand on voit les déficits. C'est un autre sujet. J'ai pas dit, mais si l'État n'avait pas prêté. Bien sûr. Si l'État avait dit non. C'est le rôle de l'État d'être prêteur en dernier ressort. Maintenant, effectivement. On reviendra sur cette question parce qu'on aborde la question de l'Islande, justement. Je suis d'accord avec vous qu'il n'a pas perdu d'argent. Mais à un moment donné, il a été là pour dire « je donne ma garantie ». Et ça, ça n'a pas de prix. Et Edgar Morin et Jacques Cheminade, qu'on n'a pas encore entendu. Écoutez, moi, j'espère que cette séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires ira jusqu'au bout, suivant l'exemple rooseveltien. Mais l'important, c'est que c'est un cas partiel d'un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus global, qui est la domination du capital financier sur le monde, sur les États, sur les peuples. Bon, alors, il y a des choses qui sont possibles dans un cadre national, comme cette séparation des banques. Il y a éventuellement une taxe sur les transactions financières, mais les pouvoirs d'un État national sont limités. On peut penser qu'au niveau européen, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais jusqu'à présent, on n'en voit pas le chemin. Et surtout, quand on voit que, finalement, ce sont les paradis fiscaux multiples qui permettent aujourd'hui cette toute-puissance de capital qui, du reste, échappe aux impôts, échappe à tout, d'une sorte vraiment de mafia mondiale, c'est un problème mondial pour lequel les institutions mondiales ne sont pas prêtes. Donc, il y a un problème de prise de conscience des opinions extrêmement grave. Mais je crois enfermer la question qui est la question de ce siècle. Il y a deux pieuvres. Il y a la pieuvre, disons, de la spéculation financière effrénée, sans contrôle, et même parfois même pas contrôlée par elle-même, puisque ce sont des ordinateurs qui obéissent automatiquement aux ordres. Nous avons cette spéculation financière qui est d'ailleurs une cause principale de la crise économique, mais aussi qui est cause d'un désordre mondial qui s'aggrave. Et justement, dans ces conditions-là, la deuxième pieuvre, justement, est favorisée, c'est-à-dire la pieuvre des nationalismes fermés, bornés, des fanatismes religieux, des zénisismes. Et plus se développe cette économie qui crée des crises, qui crée des angoisses, qui désoriente, qui spécule, qui fait disparaître des emplois par milliers, plus se renforcent les refermetures nationalistes, etc. Donc, il faut penser que ce problème de la séparation a son importance, mais si on oublie le fond, le fondamental, à ce moment-là, on est à nouveau dans l'impuissance. Je le répète, on ne peut pas tout faire dans un pays par un coup de baguette magique. On peut en faire beaucoup, on peut inciter l'Europe, on peut dire au monde qu'il y a une voie autre à suivre. On verra tout à l'heure le cas de l'Islande, qui est très intéressant en ce moment, mais Jacques Cheminade. Je crois que pour parler de cette loi, il faut voir le contexte dans lequel elle s'inscrit, ce qu'on commence à dire ici. J'ai rencontré, il se trouve, lorsqu'il était conseiller de M. Sarkozy, M. Ramon Fernandez, qui est maintenant directeur du Trésor. Et je lui ai parlé de la façon dont je voyais venir la crise. Il m'a dit non, il ne faut pas s'en faire. La finance est un jeu à somme nulle, on trouve toujours des contreparties. On a vu ce qu'elle valait. Ensuite, il m'a dit, le système s'autorégule. Les agents du système sont assez sages, ils s'autorégulent. On a vu qu'ils ne l'étaient pas. Et ensuite, nous disposons toujours en Europe d'amortisseurs que nous pourrons utiliser. On a vu ce qu'ils valaient.
Donc, quelle confiance peut-on faire à des gens du système qui appartiennent aux plus hautes hiérarchies financières en France et qui n'ont rien vu venir ou qui n'ont pas vu venir l'essentiel ? Jean Zay, déjà le ministre de l'Éducation du Front Populaire, et qui a été longtemps après, disait « il y a en France une chose qu'on ne peut pas dire, c'est-à-dire mettre en cause les financiers et ce qu'ils font. » Qui d'un côté défendent le mythe de l'orthodoxie budgétaire et de l'autre côté laissent faire aux banques ce qu'elles entendent. Donc il y a une certaine contradiction entre les deux. Et je pense qu'une loi de type de celle que M. Moscovici a voulu prendre et qui est une loi qui vise à ce que la finance n'entretienne pas la finance, mais que la finance finance l'économie. C'est ce qu'il fallait faire. Mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Moi, je suis partisan du Glass-Steagall de Roosevelt. On vient voir Roosevelt, c'est la séparation stricte entre, d'un côté, les banques de crédit et de dépôt, qui assurent des fonctions absolument nécessaires à l'économie et qu'il faut soutenir, et de l'autre côté, ce qui est les banques d'investissement, les banques de marché, qui jouent sur les marchés. Et il faut les séparer, ce qui ne veut pas dire qu'il faut éliminer les banques de marché. Au contraire, si elles marchent tellement bien et si elles font si bien, eh bien, qu'elle continue. Et si elle gagne, tant mieux pour elle. Mais l'État n'a pas à venir à la rescousse, comme la Banque Centrale Européenne l'est revenue, avec son fameux LTRO, le financement à long terme, en deux fois, en donnant 1 000 milliards à 1% sur 3 ans. Si ça, ce n'est pas une aide, disons, assez... C'est pour les banques de marché, hein. C'est pour toutes les banques. Hein. C'est pour toutes les banques, c'est toutes les banques. Mais les banques de marché, la fonction de marché a contaminé le reste du système bancaire. Parce qu'on a joué sur les produits dérivés qui sont développés, qui sont actuellement à 650 000 milliards à peu près dans le monde, c'est une somme énorme, 12 fois à peu près le produit intérieur brut des États, du monde, et qu'en même temps ils se sont développés à une vitesse fantastique, c'est-à-dire entre 4 et 8 fois selon les calculs, la façon dont s'est développée l'économie. Donc les produits dérivés sont un jeu sur un prix à l'avenir, ce qui était concevable si vous faites ce jeu en fonction d'un prix que vous voulez connaître, une banque accepte de porter le risque. Donc, ça s'est commencé dans l'agriculture, hein. Vous voulez assurer que votre prix reste le même et vous payez une prime à la banque pour l'assurer. Mais à partir d'un certain moment, on s'est mis à jouer avec, on s'est mis à créer, comme c'est le cas actuellement pour BNP Paribas, par exemple, on s'est mis à créer, certes pour le compte du client, mais on s'est mis à créer des produits spéculatifs dans l'ordre agricole. Je trouve que c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux, parce que ces produits spéculatifs, c'est jouer sur ce qu'on mange et c'est, disons, intervenir dans une économie pour favoriser la spéculation sur ce qui devrait être du long terme. Ce n'est plus une assurance. C'est une spéculation. Or, la loi qui est actuellement proposée ne couvre pas cela. Elle ne couvre que les activités spéculatives. Elle ne couvre pas cet aspect-là. Elle ne couvre pas pour vendre à ses clients. Les activités spéculatives pour compte propre sur matières premières agricoles sont interdites. Oui, mais c'est écrit. Ce qu'on vend à ses clients n'est pas interdit. C'est écrit dans la loi. Ce qui est assez troublant, c'est que il y a des cycles, quoi. C'est-à-dire qu'en 1933, Roosevelt établit la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Parce qu'on est en pleine crise, dans une situation d'ailleurs plus grave au plan bancaire que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les banques sont en faillite, véritablement. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers hommes politiques à utiliser la radio. Il fait un discours, les gens rapportent leur argent dans les banques et reprennent confiance. La parole publique, pour le coup, assortie de dispositions simples et intelligibles par tous, reconstruit l'ordre. Mais 70 ans après, on démantèle ce truc-là, comme si on avait oublié, au fond, que ces risques étaient inhérents, justement, à l'activité financière et au caractère moutonnier des spéculateurs, tels que vous les avez décrits tout à l'heure. Comme si, finalement, au-delà de la durée d'une vie humaine, on n'avait plus la mémoire des erreurs qui sont toujours les mêmes. Parce que quand on regarde, justement, avec un peu de profondeur historique, on voit que ces crises arrivent, en gros, tous les 70 à 80 ans. Et qu'à chaque fois, juste après, on reconstruit les protections pour petit à petit les désarmer et les abaisser de façon à libérer un peu le génie de hors de sa bouteille. Et ça produit toujours un peu les mêmes catastrophes. On en est là aujourd'hui, très probablement. La loi que vous avez faite n'est qu'une étape. Il n'y a pas de grand soir de la réforme. Ça, c'est un peu une illusion de penser qu'il y a un texte définitif. Alors, ça, je vous le laisse, parce que c'est vous qui êtes l'auteur du truc. Donc, c'est certainement un pas. C'est le ministre qui est l'auteur Enfin, c'est le ministre, il dira sûrement ça. Et il y a une rapporteure, Karine Berger, qui a... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une succession de petits gestes, les uns faits dans tel pays, dans tel autre, et que finalement, le consensus des régulateurs, des dirigeants évolue, et on intègre ces données nouvelles. Les Allemands, qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans le cadre du cinquantenaire du traité de l'Élysée, on en a parlé avec eux. Donc effectivement, c'est des choses qui font
Si, 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 si. C'est des choses qui font leur chemin. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. À mon avis, la raison, elle est simple. C'est que ce sont les États-Unis qui mettent le standard mondial. Ils fixent le standard mondial en la matière. Et ce qui se passe, c'est carrément, c'est que à Bank of America actuellement, il y a eu toute la quantité de portefeuilles de dérivés, hein, les instruments de la spéculation par excellence, qui sont 75 000 milliards hein, en valeur de contrat, ont été transférés dans l'unité de dépôt de Bank of America fin 2011. Tout ça en catimini, sans que ça fasse les gros titres, parce que Bank of America n'était pas en mesure de mettre assez. Ne voulait pas mettre des fonds propres, ça coûte cher les fonds propres pour les banques. Alors elle a profité de la garantie que les déposants obtiennent du gouvernement américain pour faire assurer son portefeuille de dérivés. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc pour la France, ça signifierait, si on allait scinder complètement les grandes banques, BNP, Société Générale, ça signifierait perdre ses grands fleurons bancaires alors que d'autres pays gardent des grands établissements bancaires. Pourquoi la France ou l'Angleterre ou même la Suisse, qui sont les principales places bancaires, leur banque quand les États-Unis en sont là avec ces mammouths ou des portefeuilles de dérivés. J'insiste sur le fait que, comme l'a dit M. Cheminade, la quantité de spéculation aujourd'hui est plus élevée que même avant la crise. Elle n'a jamais été aussi grande. La finance de l'ombre, le shadow banking, représente l'équivalent du PIB mondial. C'est 80 000 milliards, c'est-à-dire tout ce qui est hors bilan, tout existe. Mais qu'est-ce qu'on appelle le shadow banking, pour qu'on comprenne bien? C'est toutes les transactions hors des bilans qui ne sont pas comptabilisées dans les bilans. Tout ce qui est fait par les fonds spéculatifs, les fonds opaques, les fonds d'investissement qui passent par des paradis fiscaux, etc. Tout ça, c'est la finance de l'ombre qui est non répertoriée dans les rapports annuels des banques et dans les institutions financières. C'est de la taille du PIB. Et donc, on prétend qu'on limite aujourd'hui. Vous parliez, vous disiez, mais finalement, le gouvernement français s'est enrichi presque en sauvant les banques françaises. Non, il y a eu un choc récessionniste incroyable en 2007, 2008, 2009, 2010. Et ce choc récessionniste, toute l'économie mondiale l'a encaissé. Et l'endettement des gouvernements occidentaux vient de ce choc récessionniste causé par la finance spéculative. Excusez-moi, non, juste là, il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a deux choses. Non, mais attendez, ce ne sont pas les banques qui ont demandé aux États d'augmenter leur dette publique. Il faut être quand même sérieux à ce moment-là. Ah, ils n'ont pas demandé le sauvetage. Pas du tout. Ils ne voulaient pas être sauvés. Non, mais je vous ai dit encore une fois, elles ont gagné de l'argent. Pas du tout, mais avant cela. Avant la crise, avant qu'on vienne soutenir les banques. 73. Attendez, laissez-moi finir. La dette publique française était de combien de pourcents du PIB ? 60% du PIB. Donc, il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas encore la crise. C'était devenu structurel. Aujourd'hui, on va atteindre, c'est le thème du projet de prochain livre, 100%. On va atteindre 100% du PIB d'ici 2013. Je veux dire par là, c'est que, évidemment, encore une fois, je le redis, hein, les marchés ont une part de responsabilité. Mais dire que ce sont les marchés qui ont demandé aux États d'augmenter leur dette publique, Il faut quand même être sérieux. C'est qu'on a un problème structurel d'absence de croissance, vous l'avez dit, effectivement, un choc récessionniste. Et donc, de ce point de vue-là, on augmente les dépenses publiques. Et malheureusement, en face, il n'y a pas de croissance. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chaque année, juste pour payer les intérêts de la dette publique, je ne parle même pas de la dette, juste les intérêts, il faut encore s'endetter. On n'a même pas assez de croissance pour payer ces intérêts. Je voudrais rebondir juste, parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit sur l'aspect mondial, je pense que c'est ça le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un contexte mondial. Vous parlez des États-Unis, mais il n'y a pas que les Américains. Aujourd'hui, il y a l'Asie, il y a les Chinois, etc., qui se développent. Donc, c'est encore pire. Donc, le danger qu'on a aujourd'hui, c'est que si on n'a pas un accord international, dans le cadre du G20, par exemple, ma crainte, c'est que demain, la France... Sarkozy a tenté d'obtenir. Exactement, mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Ma crainte, c'est que, effectivement, la place financière de Paris se déserte. Donc, derrière, c'est quand même des milliers d'emplois. C'est ça qu'il ne faut pas aussi oublier. Passons par les États-Unis. C'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même amusant. Ils ont attendu 5 ans et demi après le début de la crise des subprimes. Mais les autorités américaines viennent de porter plainte contre l'agence de notation Standard & Poor's. Mais regardez. On connaît ses doubles et ses triples A. D'habitude, c'est elle qui distribue les bonnes ou les mauvaises notes. Mais aujourd'hui, Standard & Poor's est pointé du doigt. Retour sur 2007. À l'époque, l'agence évalue des produits financiers complexes, des actifs toxiques liés aux fameux subprimes. Standard & Poor's leur attribue des notes favorables, trop favorables, car très vite, ces produits vont se révéler ruineux. Résultat, une crise financière mondiale qui va toucher des milliers d'épargnants. Aujourd'hui, les autorités américaines portent plainte. Standard & Poor's aurait sciemment trompé les investisseurs. Standard & Poor's plaide sa bonne foi et qualifie les accusations d'erronées et d'injustifiées. Elle annonce qu'elle se défendra vigoureusement. Car l'enjeu est de taille. La justice américaine lui réclame 5 milliards de dollars.
Un revers financier pour l'agence de notation qui, en deux jours, a déjà vu l'action de sa maison mère plonger de près de 20%. Et dans la foulée, l'autre agence de notation, Fitch, a dégradé Standard & Poor's, qui est passé de A- à BBB+. Alors pourquoi Standard & Poor's ? Parce que, si je me souviens bien, toutes les agences de notation, à l'époque, ont dit le plus grand bien des subprimes. Est-ce que ce serait parce que Standard & Poor's est la seule à avoir dégradé les Américains ? On ne peut pas exclure que ça ait joué. C'est de fait celle qui avait joué un rôle leader sur ce marché des subprimes, c'est-à-dire vraiment de la plus notation. Que les autres. Le poids relatif était, à mon avis, plus important. Mais il est possible que d'autres actions en justice suivent celle qui a été intentée contre Standard & Poor's. Mais alors, l'idée selon laquelle Standard & Poor's aurait sciemment bricolé ces trucs est une idée relativement optimiste. Ça veut dire que les types savaient ce qu'ils faisaient. Parce que l'hypothèse, à mon avis, vraisemblable et plutôt pessimiste, c'est que, justement, ils étaient de bonne foi. Et qu'au fond, ils ont entraîné tout le monde dans cette catastrophe. Comme de ils bonne étaient foi. De bonne foi, 4 jours avant la faillite d'Enron, de dire que c'était une entreprise sur laquelle on pouvait miser. Alors, Enron, c'est de la compétence, pour le coup, en fait. Enron, si vous voulez, il y avait une malversation, là, c'est-à-dire tout était manipulé par l'entreprise elle-même qui donnait des faux chiffres. Il y avait maquillé, oui. Voilà, c'était du brigandage, si vous voulez. Alors que dans l'affaire des subprimes, là encore, c'est d'un certain côté pire que cela, parce que toutes les données sont là. Et puis, des gens qui sont réputés les meilleurs de la place mondiale disent « il n'y a pas de risque ». Alors que n'importe quel esprit relativement raisonnable pouvait comprendre qu'à partir du moment où on déresponsabilise les gens qui s'endettent, ils ne rembourseront pas et qu'un jour ou l'autre, ça provoquerait une catastrophe financière. Jacques Cheminade. Oui, le problème, c'est qui prend-on lorsqu'il s'agit d'analyser une situation ? Les experts du même monde, donc sont eux, au Corefris, par exemple en France, qui est le comité qu'on a convoqué pour savoir ce qui allait se passer, c'est les banquiers qui sont là, ce qu'on devait faire. Puis ces gens-là, qui sont partis, deviennent experts, ils sont experts, puis ils deviennent juges, puis ils deviennent conseil du législateur, ils essayent de le devenir en tout cas, et parfois même législateurs. Donc on a tout un système qui se met en place dans lequel on ne voit pas venir, et c'est normal qu'on ne voit pas venir puisqu'on est à l'intérieur du système, on ne voit pas de l'extérieur. Et les gens qui sont de l'extérieur font ce qu'ils peuvent. Karine Berger ou Valérie Grabeau ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais elles sont obligées de raisonner dans un secteur fermé. Et si elles on revient, en viennent. Enfin, Valérie, au moins, en vient. Hein. Elles font bien dans ce qu'elles peuvent. Mais si on sort de là, Karine Berger, par exemple, a dit il y a la filiale. Certes, il n'y a que entre 0,75 et 2% des activités et des revenus des banques qui se trouvent dedans. Mais je vous donne un ciseau, vous pouvez mettre plus. Moi, j'ai peur que dans le système, ce ciseau, ben, ce soit un coupe-papier ou un coupe-ongle. Je rappelle que Karine Berger, c'est la rapporteure de la loi de séparation des banques et co-auteur avec Valérie Rabault d'un livre. Valérie Rabault a été rapporteure de la loi sur la banque publique d'investissement. C'est quelque chose de très important. Et M. Montebourg disait qu'il faudrait 200 milliards dans cette banque. Ben, ce qu'on va mettre, c'est 35 à 40 milliards. Or, la banque publique d'investissement, c'est très important pour les investissements à long terme des petites et moyennes entreprises. Pour le reste, ce n'est pas les banques ou les grandes banques qui vont, grâce aux hedge funds auxquels elles prêtent, pouvoir financer les PME. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il faut une banque de proximité qui les finance, comme c'est le cas en Allemagne, avec non seulement les Sparkassen, mais aussi les banques maison. Donc c'est ce type de système qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, il n'est pas mis en place en France. Pour revenir à Standard & Poor's et réagir un petit peu à ce que vous disiez, selon quoi la Standard & Poor's, en fait, n'était pas conscient des risques des subprimes. Moi, je dirais qu'il y avait un conflit d'intérêts évident, que vous connaissez très bien. Donc la complaisance faisait partie du travail. C'est comme les auditeurs de KPMG qui viennent auditer une boîte et puis qui vont boire un verre. Ensuite, ils reviennent, ils signent un peu, ils ferment un peu les yeux sur les comptes d'une entreprise. C'est pareil avec les agences de notation. C'est méchant. Elles avaient intérêt à fermer les yeux, y compris sur la notation de dette souveraine comme celle des États-Unis. Et voilà que Standard & Poor's rétrograde les États-Unis quand même l'été 2011. Et Moody's ensuite. Moody's n'a pas osé rétrograder. Elle a averti qu'elle pouvait, elle a mis en garde plusieurs fois. Elle n'arrête pas, elle continue. C'est comme une grande farce, hein. On met en garde, mais on n'ose pas. Parce que vous vous souvenez que le gouvernement américain avait rejeté le downgrade, la rétrogradation de Standard & Poor's, chose inédite. Hein. Donc M. Obama, je crois, ou Tim Geithner, est venu devant la télé, a dit « Nous rejetons la décision Standard & Poor's de rétrograder notre dette ». Et d'ailleurs, je crois qu'un grand investisseur, Warren Buffett,
a dit, c'est les États-Unis sont un quadruple A, ne vous en faites pas, c'est un quadruple A, je ne sais pas. D'ailleurs, les taux d'intérêt pour les Américains n'ont jamais augmenté. Ils continuent d'emprunter de l'argent à très peu de... Parce que la Banque centrale américaine achète 90% de sa propre dette, de la dette des États-Unis. Et donc, moi, je pense que c'est un avertissement. Les États-Unis ont porté plainte contre Standard & Poor's parce que Moody's allait aussi rétrograder les États-Unis. Et maintenant, je pense que Moody's ne va pas. Regardez, pourquoi est-ce que la plainte contre Goldman Sachs a été mystérieusement classée? Elle a aussi pris 4 ans, il y a une enquête qui a été faite. Tout le monde savait, vous et moi, n'importe qui savait que Goldman Sachs avait vendu les subprimes en 2006. Ensuite, elle avait parié contre ses clients, contre ses propres clients, en attendant l'effondrement de leur portefeuille et gagné 11 milliards de dollars de bénéfices l'année de 2007 où toutes les autres banques s'effondraient. Et ils ont classé l'enquête. Alors pourquoi tout d'un coup ils décident de s'attaquer à Standard & Poor's? C'est un peu quand même, ça prête à réflexion. Moi ce qui me frappe, c'est l'aveuglement de tous ces gens qui étaient supposés les plus compétents pour traiter ces problèmes. C'est l'aveuglement des économistes qui, dans leur plus grande majorité, n'ont pas prévu cette crise. C'est l'aveuglement de croire que ce système dit néolibéral peut de lui-même s'auto-réguler. Et c'est l'aveuglement aussi de croire qu'une politique d'austérité peut traiter et régler cette crise. De même, c'est un autre aveuglement de croire que la croissance elle-même peut être une solution. Et on est obligé à une repensée. C'est-à-dire, certes, il faut une relance économique, c'était le terme rooseveltien, mais il y a deux atouts aujourd'hui. Le premier atout, c'est la possibilité d'une économie verte, pas seulement de renouveler les sources d'énergie, d'avoir de l'énergie propre, mais de changer un peu l'ensemble de la vie quotidienne à partir d'une nouvelle économie urbaine, rurale, etc. Nous voyons aujourd'hui les désastres qu'apporte l'agriculture industrialisée qui pollue les sols, qui les détruit, puis aujourd'hui de l'agriculture mercantilisée. On apprend encore l'histoire de Findus. C'est-à-dire, on est dans un monde complètement délirant. Et dans ce monde délirant, est-ce qu'il y a une issue? Moi, je crois oui. Il y a une nouvelle vision de qu'offrent les possibilités d'aujourd'hui de la crise de la biosphère, ces possibilités de faire une autre économie. Et puis, il existe aussi en France, à l'État, peut développer ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agit, elle, de favoriser. Il s'agit, en quelque sorte, de penser que on a un problème de fond, et je crois que c'est la structure de pensée qui domine, qui coupe ça en petits morceaux. Il y a l'économie, il y a les banques, il y a ceci, il y a cela. Mais au lieu de voir, de relier, de voir l'ensemble, d'articuler, de dire nous sommes dans une crise beaucoup plus profonde qu'une crise économique, parce que cette crise économique fait partie d'une crise de la pensée politique, d'une crise de la civilisation, d'une crise de notre monde, d'une crise de l'humanité. Et si on continue à traiter par petits bouts, comme on est habitué à le faire, les problèmes, je crois qu'on va vers des catastrophes. Il y a un autre pays qui s'est rebellé contre la finance mondiale, l'Islande, comme on l'appelle, c'est l'Islande. L'Islande qui avait été la première touchée par la crise en 2008. L'Islande qui avait laissé couler ses banques, qui avait tenu tête au marché financier, aux pressions internationales, à ses créanciers britanniques et néerlandais, et qui vient de gagner son procès. Vous voulez dire à moi avant qu'on regarde? Et puis j'aimerais qu'on nous explique cette dette. On parle de cette dette, la dette, mais... Et de quoi? On n'a jamais expliqué aux citoyens de quoi est faite cette dette, quelles sont les différences. Depuis quelques années, on l'a beaucoup expliqué, en particulier sur ce plateau quand même. Regardez l'Islande, parce que c'est intéressant. L'Islande, ils avaient fait même un référendum, ils ont dit aux Islandais, est-ce qu'on rembourse? Et voilà la réponse des Islandais. C'est le premier référendum de l'histoire de leur pays. Malgré un crachin glacial, les Islandais se sont déplacés aujourd'hui pour voter. L'enjeu du référendum, se prononcer sur l'accord de remboursement de 4 milliards d'euros au gouvernement britannique et néerlandais suite à la faillite fin 2008 de la banque iSave. L'issue du scrutin ne fait aucun doute. Je pense qu'il vaut mieux dire non et essayer d'obtenir un accord décent avec ces pays. Aucun doute là-dessus, c'est non. Les opposants au scrutin dénoncent l'injustice de cet accord, selon lequel les Islandais devraient rembourser 100 euros par habitant et par mois pendant 8 ans. Or, l'Islande est un pays ruiné. Tout le système bancaire s'est effondré.
Les clients du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont bien été remboursés, mais Londres et Amsterdam souhaitent que l'Islande leur reverse le montant de la dette. Un verdict inattendu donne raison à l'Islande dans l'affaire Icesave. Reykjavik n'était pas obligé de rembourser les épargnants étrangers lorsque la banque en ligne s'est effondrée en 2008. C'est le jugement que vient de rendre la Cour de l'Association européenne de libre-échange. Sans surprise, la Première ministre s'en félicite. Il est clair que ce jugement va renforcer la reconstruction économique du pays. Il est possible que les agences de notation revoient leurs évaluations. Cela aura une influence positive sur la levée des contrôles sur les capitaux et c'est donc très positif. Valérie Rabault. Alors, c'est un exemple extrêmement intéressant, mais je voudrais juste quand même rappeler que l'Islande, c'est 320 000 habitants. Donc on ne peut pas trop comparer à d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni. C'est plus petit que Toulouse. Donc voilà, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant, mais qui se porte sur un pays plus petit. Sur le fait de ne pas rembourser ses créanciers, puisque c'est la question qui est posée là. Dans le projet de loi, je suis désolée, je reviens toujours au projet de loi bancaire, mais enfin quand même, comme on en discute ce soir au Parlement, je me permets d'insister dessus, il y a un chapitre qui s'appelle la résolution où on demande aussi aux banques d'écrire leur testament. Oui, donc d'anticiper leur propre mort, enfin, c'est ce qui est... Et elles le font ? Elles vont le faire. Et de dire, voilà, comment on protège les déposants, les dépôts, et aussi après, qui c'est qu'on lâche et qui c'est qu'on lâche pas. Donc, le financement des PME, etc., etc. Bon. Et là-dedans, effectivement, on voit qu'on protège les créanciers, ce qu'on appelle de la dette senior, mais après, le reste, il y a l'autorité de contrôle, l'ACP, maintenant R, avec résolution, qui va pouvoir prendre un peu la main dessus. Donc on n'est pas dans le schéma islandais totalement, mais encore une fois, on est dans c'est l'histoire des pas. Alors, ces Islandais, quand ils sont très intéressants, vous avez remarqué que c'est un sujet d'Euronews, on n'en a pas parlé tellement ailleurs. C'est vrai, on n'en a pas trop parlé. Il y a deux singularités, celle que décrivait Valérie. C'est vrai que c'est un petit pays, mais au-delà de ça, les créanciers étaient des étrangers. Oui. Donc on disait, les gars, rentrez chez vous, vous avez mis de l'argent. Ils ont remboursé les Islandais qui avaient perdu de l'argent. Exactement. Mais les Britanniques et les Néerlandais, pour le coup, c'est leur État qui les ont remboursés, c'est-à-dire l'État anglais et l'État néerlandais, parce que les Islandais n'ont pas voulu le faire. Mais au-delà de ça, ça pose quand même la question, qui est la question centrale pour la résolution de cette crise, c'est qui doit payer la dette ? Est-ce que c'est le contribuable qu'on charge, qu'on surcharge, qu'on, au fond... On l'étouffe sous cette accumulation de dettes, comme c'est ce que nous avons voulu faire en Europe et dans la zone euro. Tout le sauvetage de l'euro est construit sur une seule idée, rembourser les dettes intégralement. Or, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il n'est pas content, Marc Twenty. On n'en est pas là. Si on fait 2 000 milliards d'euros de dette publique française, même si on vend tout l'actif de l'État, on n'aura pas de dette. On commence justement à changer d'avis. C'est-à-dire que j'observe ce qui se passe en Grèce, j'observe ce qui se passe en Irlande, où petit à petit, on lève ce tabou de la dette et on va faire payer. Vous êtes d'accord, vous aussi, il ne faut pas les rembourser ? Non, je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il y a deux choses, il faut faire attention. C'est déjà par rapport. Il faut faire un peu de pédagogie vis-à-vis des petits porteurs, des petits épargnants. Il y a une règle de base en économie, en finance, dans la vie tout court, j'ai envie de dire, c'est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit... Sauf dans la notation des subprimes par les agences... Justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, comme dans le cas des subprimes, donc des dettes, en fait, c'était des dettes titrisées subprimes, c'est-à-dire on a pris des subprimes, on a transformé ça en des titres, et on a dit, voilà, ces titres, eh bien, ça, c'est pas risqué, c'est sans risque, mais c'est un rendement très élevé. Madoff disait la même chose à ses amis. Il faut faire comprendre que ça, ce n'est pas possible. Moi, tous les jours, on me demande, vous n'avez pas un petit truc au rendement, mais sans risque ? Je le dis clairement, ce n'est pas possible. Inversement, si on ne veut pas prendre de risque, on aura des rendements qui seront faibles. Donc, à partir de là, il y a aussi une part de responsabilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous propose ça, il faut savoir lui dire non, même si c'est tentant. Attendez, Marc, les types qui se sont vus charger de la dette des banques en Irlande, ils n'ont même pas choisi. Donc, vous pouvez les avertir que les rendements sont élevés et dangereux. Ils n'ont pas choisi. On leur colle 30 points de dette sur le dos. Non, mais je ne parle pas de ça. Non, mais c'est quand même ça le sujet central. De ceux qui ont acheté les produits. Attends, je termine sur les agences de notation, parce que c'était le thème quand même. Effectivement, moi, j'ai posé la question aux agences de notation. Je leur dis, comment vous avez pu laisser passer ça? Alors, peut-être qu'il y a eu de la connivence, etc., certainement. Mais le problème, c'est qu'elles avaient c'est ce qu'ils m'ont répondu, est-ce que c'est vrai ou pas, des notices d'explication, c'était des dictionnaires, avec des équations partout. Donc, effectivement, il y a eu un abus de confiance, un manque, je pense, de compétences de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, on fait la même erreur. C'est-à-dire que quand on met, quand on met le double A+ à la France, je ne pense pas qu'aujourd'hui la France mérite ce double A+. Donc, on fait la même erreur aujourd'hui. On est en train de dire aux investisseurs, et notamment aux banques, acheter des obligations de l'État français qui ramènent 2% par an pendant 10 ans.
Donc là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un rendement faible, mais un risque élevé qu'on ne veut pas voir. Donc, de ce point de vue-là, l'histoire se répète. Et je suis d'accord que le seul moyen de sortir de la crise, il n'y en a qu'un. C'est effectivement de restaurer la croissance pour au moins rembourser, non pas la dette, mais au moins rembourser les intérêts de la dette publique. Ce qui aujourd'hui, dans tout le monde développé, il n'y a que 15 pays qui arrivent à faire ça. C'est-à-dire, en France, depuis bientôt 6 ans, chaque année, on n'a même pas assez de croissance économique juste pour rembourser les intérêts de la dette publique. C'est-à-dire que pour payer ces derniers, il faut encore s'endetter. Alors justement, l'exemple de l'Islande reste valable, puisque ça a été le premier touché. Cet État a été ruiné. C'est aujourd'hui l'un de ceux qui s'en sort le mieux. À Davos, il y avait le président de la République islandaise. Il était là. Seule la chaîne Al Jazeera est venue lui demander comment il avait fait. Ça n'intéressait personne d'autre. Mais écoutons une partie de sa réponse. Mr. President, why are you such a beacon of hope? Why has Iceland survived where Europe has failed? What are you doing differently? I think it surprises a lot of people that 4 years ago we were exhibit number one of a failed financial system. But now we are back on recovery with economic growth and very little unemployment. And I think the primary reason is that we were wise enough to realize this was also a fundamental social and political crisis. But above all, we didn't follow the traditional prevailing orthodoxies of the Western world in the last 30 years. We introduced currency controls, we let the banks fail, we provided support for the poor, we didn't introduce austerity measures of the scale you're seeing here in Europe. And the end result, 4 years later, is that Iceland is enjoying progress and recovery very different from the other European countries that suffered from the financial crisis. Olivier Berruyer. C'est très intéressant le cas islandais. En effet, ils sont peut-être moins nombreux qu'à Toulouse, mais en tout cas, ils ont du bon sens et ils ne se sont pas laissés prendre en otage par le système financier. Ce qui est intéressant, c'est que ça pointe du doigt le problème de cette crise, qui est qu'en gros, on a fait 3 à 4 fois plus de dettes que ce qu'on ne pourra jamais rembourser, que ce soit en termes publics ou en termes privés. Donc on essaie de décaler dans le temps la résolution de ce problème, mais on se rend compte que les dettes continuent à gonfler. L'Islande est un bon exemple où, au final, elle a fait ce que font à peu près tous les États quand on regarde non pas sur 10 ans, 20 ans, mais sur 2 siècles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la dette monte et brutalement, l'État fait défaut d'une façon ou d'une autre, soit en assumant un vrai défaut, comme a fait la Grèce, en disant « désolé, je ne vous rembourse pas », soit en déclenchant de l'hyperinflation, en disant « je vous devais 1000, je vous rends 1000, mais c'est de la monnaie de singe, donc ça ne vaut plus rien ». Donc ce sont les deux façons historiques de faire défaut. Quand on regarde, ça arrive, y compris, ça arrivait en France, tous les 60-70 ans, généralement par période d'hyperinflation. Et donc, on peut faire le lien aussi avec la problématique des agences de notation. Parce qu'évidemment, comment noter des États quand, brutalement, ils peuvent décider de ne plus rembourser. C'est-à-dire, effectivement, comme Enron, à la rigueur, c'est un triple A, et puis la semaine d'après, il dit qu'il ne rembourse pas, donc ça vaut plus rien. Et ce qui est assez drôle dans les agences de notation, c'est qu'actuellement, les États-Unis sont en train de les attaquer en disant « Vous n'avez pas fait votre travail au moment de la crise des subprimes », ce qui est vrai. Alors après, est-ce que ça a été fait volontairement? Est-ce que ça a été fait par aveuglement? Pourquoi pointer du doigt les agences plus que les économistes ou la Banque centrale américaine qui disait aussi qu'il n'y avait pas de problème, que les prix immobiliers pouvaient doubler, que tout se passerait bien? Mais ce qui est amusant, c'est de voir que ça se passe à un moment où les États ont des difficultés. Et comme le soulignait tout à l'heure, je crois que c'était Marc, la problématique de la notation des États. Et on voit que les agences font exactement la même chose qu'avec les subprimes, mais avec les États. L'État américain, dans sa notation par les 3 grandes agences mondiales, il y en a 2 qui notent 20 sur 20 sa dette et une qui l'a notée 19 sur 20. C'est ça qu'on reproche à Standard & Poor's, sa note, c'est 19 sur 20. Les Chinois ont une agence de notation, ils notent les États-Unis déjà un petit 12 sur 20, ce qui est encore... Ce qui correspond à peu près à un 12 sur 20, pour parler un peu plus français que les dû à moins, à plus, ça fait à peu près 12 sur 20. Et on se rend compte que c'est encore extrêmement raisonnable. Les États-Unis, c'est qu'on ne cite jamais l'agence de notation chinoise. Jamais. On dit que c'est des Chinois, c'est pas la peine de les noter. Alors quand on regarde, c'est vraisemblablement les notes les plus fiables. Il n'y a pas très crédible non plus, il faut être honnête. C'est pas tellement transparent. Pour la crédibilité, je crois que... Donc toutes les agences de notation, de toute façon, sont plus crédibles, malheureusement. Il y a une excellente étude, justement, de Natixis, qui montre très bien que l'agence chinoise note très bien à peu près tous les pays, sauf la Chine. Et en effet, une agence, c'est normal, une agence note difficilement son propre pays. Justement, il faut regarder plusieurs agences. Il y a un cas qui est extrêmement drôle, qui est une petite agence américaine qui s'appelle Egan Jones, qui, elle, notait correctement aussi, en tout cas assez proche des notations chinoises, bon nombre de pays.
il y a 15 jours, les États-Unis leur ont interdit de noter pendant 18 mois, de façon à laisser les trois grandes agences continuer à donner des notes très élevées. Et si je me souviens bien, Fitch n'a toujours pas dégradé la France. Non. C'est la seule. Et c'est une agence française. Juste un mot sur l'Islande quand même, parce qu'il y a un autre élément macroéconomique qui explique aussi l'histoire de renaissance relative. Là, le Premier ministre nous fait un tableau idyllique. La réalité est quand même, ils ont perdu 30% de niveau de vie. Donc, mais ils ont dévalué de façon considérable, ce que la zone euro ne peut pas faire, ce que les pays dans la zone euro ne peuvent pas faire. C'est ce qu'il dit le président de la République, il dit nous, on est dans le contrôle des monnaies. Du coup, si vous voulez, ça a changé beaucoup de choses, parce que ça a permis de retrouver la compétitivité, alors que nous peinons avec des accords chez Renault, en Espagne, etc., pour contraindre les salaires, donc diminuer la demande, essayer de nous ajuster tant bien que mal à une compétitivité qui s'est beaucoup dégradée dans les dernières années. Justement parce qu'on a perdu l'arme du taux de change. Je pense qu'on a oublié. L'euro aujourd'hui, évidemment, beaucoup trop fort. Il faut jamais oublier quand même qu'une dévaluation, ça fait du moins 30% sur le pouvoir d'achat. Il y a un prix à payer. J'avais tout compris sur la croissance. L'impact sur l'économie globale, il est positif. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, le seul moyen de sortir d'une crise de la dette, ou sortir d'une crise tout court, globalement, c'est qu'il faut un soutien à la croissance économique. On a tout utilisé, on ne peut plus utiliser l'arme publique. On est sur 56% du PIB de dépenses publiques en France. Donc on ne peut plus avancer comme ça. Donc la seule arme qui nous reste, c'est le taux de change. Les Américains l'utilisent, les Chinois l'utilisent, les Anglais l'utilisent, les Suisses, les Japonais, il n'y a plus que nous. Donc on veut bien que les dindons de la face, il faut que ça s'arrête. Monsieur Toiti, les économies qui vont le plus mal sont celles qui ont utilisé les taux de change. C'est l'Angleterre qui est la plus endettée. Des pays occidentaux. Elle a dévalué la livre sterling au plancher et elle est extrêmement endettée. Elle a un petit peu mieux si vous ajoutez sa dette financière, elle a 400% de dette sur PIB. Est-ce que l'Islande est vraiment, comme vous dites, un tableau si idyllique? Non. D'abord, l'Islande n'avait pas le choix. Elle avait des bilans bancaires qui représentaient 10 fois son PIB, ce qui n'est pas le cas de la France. La France, les bilans bancaires représentent 1,5 fois le PIB. Ce n'est pas du tout la même situation. Donc, l'Islande n'aurait pas pu refinancer ses banques. Elle n'avait pas le choix. Maintenant, il parle de 2,5% de croissance, mais on ne parle pas de l'inflation causée par la dévaluation. Si vous avez l'inflation, vous avez une croissance réelle négative en Islande. Vous la comparez à la zone euro. Je pense que 2,5, c'est en volume, c'est-à-dire c'est hors inflation. 2,5 croissance annuelle, 4,5 d'inflation annuelle. Ça fait moins de 2%. C'est une récession très importante. C'est qu'un redémarrage. On n'a pas rattrapé le retard. Sur un PIB, le PIB islandais, c'est le bénéfice annuel de BNP Paribas. C'est 10 milliards. Donc, c'est très facile de croître puisque c'est une comparaison d'un chiffre à l'autre, d'une année à l'autre. Et donc, c'est vraiment idyllique. La zone euro, elle a très peu d'inflation et très peu de croissance. Donc, vous arrivez en fait à des dynamiques économiques similaires entre l'Islande et la zone euro. C'est ça la réalité. Elle est justement hors inflation. On va arriver à la fin de cette émission. Excusez-moi, je voulais juste dire encore. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'Islande qui a pu épargner à sa population l'austérité. Parce qu'elle a laissé ses banques. Ils ont un problème de surendettement et de baisse de pouvoir d'achat énorme. Mais vous avez les États-Unis. Les gens qui ont perdu du pouvoir d'achat, ils l'ont vu passer quand même. Mais vous avez les États-Unis où les méga banques sont restées intactes et il y a 50 millions de personnes à la soupe populaire. Et vous avez la zone euro où l'austérité est plus dure encore que l'Islande. Donc il faut quand même dire que l'Islande a réussi ça. Je vous donne à chacun une minute pour conclure la fin de cette émission. Jacques Cheminade. Sur les États-Unis, il y a un rapport qui s'appelle rapport Angelides, que tout le monde devrait lire, qui est la meilleure analyse de la crise qui a été faite, sans doute. Et il y a à la Chambre des représentants des gens qui se battent pour un Glass-Steagall, celui de Roosevelt. C'est une proposition de loi qui s'appelle HR 129 de Marcy Kaptur et de Walter Jones, un républicain et démocrate. Pour revenir à la séparation entre les banques d'affaires et les banques séparation. De dépôt. Donc c'est en cours. Quand le ministre, M. Moscovici, dit que nulle part on ne songe à un Glass-Steagall, ça c'est faux. Il y a des gens qui songent à un Glass-Steagall. Maintenant, autre chose encore. Il parlait de gouvernement. Il parlait de gouvernement. Comme il y a un gouvernement, il parle de ce que font les deux gouvernements. Encore qu'en Islande, on y songe. Et que l'ensemble des partis est présenté. L'Islande, c'est 320 000 personnes. La France, c'est un petit peu plus. Mais c'est 320 000 personnes à qui on voulait imposer un taux de remboursement de 60% du produit intérieur brut, plus que les dommages de guerre qu'on voulait imposer en Allemagne. En 1918, on a vu les conséquences. Donc ici, on n'a pas le même montant, mais on a la même tendance. Alors pour mettre fin à la dette telle qu'elle est, qui ne peut pas être remboursée, tout le monde le sait au niveau où elle est, il n'y a que trois solutions. On l'a dit, l'austérité, l'inflation ou les deux combinés qu'on est en train de vivre en Europe. C'est pour l'instant l'austérité, bientôt ce sera l'inflation si on continue comme ça. Et puis il y a la troisième solution qui est la
d'évaluation de la dette, pas des monnaies. Et c'est très dangereux ce que vous dites, parce que si on se lance dans une guerre des monnaies, on a vu les conséquences que ça a eu dans les années 20 ou 30. Donc, oui, les Japonais. Il faut quand même réagir, on ne peut pas le laisser faire comme ça. On y est, oui, oui. Donc, il faut en sortir. Et la façon, c'est qu'il y ait un accord à un niveau mondial pour faire une politique de crédit public. Cette politique de crédit public, la France doit la défendre. Et nous l'avions. Nous l'avions après la guerre. Nous avions un Conseil national du crédit qui s'était mis en place. Nous avions une Banque nationale. Et nous avions, sans rente ni épargne, nous avons réussi à redévelopper la France. La même chose qu'a fait Roosevelt aux États-Unis en 100 ans. Donc, on peut le faire. On peut le faire à condition d'en avoir la volonté. Et je pense que ce qui manque le plus, c'est cette volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, comme il a été dit tout à l'heure. Et Edgar Morin avait cité Hölderlin, moi aussi, en même temps d'ailleurs, pratiquement, plus croit le péril, plus croit ce qui sauve. Et je crois qu'on doit penser à ce qui peut sauver. Dernier mot, Valérie Rabault. Oui, la loi bancaire, parce qu'on en parlait au début de cette émission, est quand même un très grand pas. Enfin, la France est la première, vraiment, je me permets d'insister, à mettre en œuvre cette loi bancaire. Vous dites peut-être qu'on manque d'ambition, moi je ne suis pas d'accord. Quand on est le premier à faire une réforme de structure telle qu'elle est proposée aujourd'hui, amendée comme elle l'a été, je trouve que c'est, voilà, on dit parfois, on accuse la France d'être suiveur, ben là-dessus elle n'est pas suiveuse. Elle est première. Morin. Oui, de même qu'on disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains des militaires, moi, je pense que l'économie est une chose trop sérieuse pour être laissée entre les mains des économistes. Je crois qu'il faut repenser, penser d'une façon autre et chercher une voie nouvelle en dehors des formules gris-gris, la croissance, l'austérité, le remboursement de la dette, etc. Faire quoi, voilà. Proposer quelque chose. T'as proposé, vous, Marc Toiti, une minute. Non, moi, je pense que vraiment, par rapport au thème de ce soir, ce qui est le plus déterminant, c'est qu'on a un devoir de transparence, qu'on soit effectivement au gouvernement, dans les banques. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui au niveau des entreprises, mieux comprendre comment fonctionne cette économie. On a vraiment, on le voit ce soir, on a un besoin de pédagogie. Il faut qu'il y ait un débat, c'est très bien, ces émissions y contribuent. On a un devoir de pédagogie. Maintenant, ce qui est clair aujourd'hui, parce que malheureusement, sans croissance, on ne pourra pas créer des emplois. On peut toujours créer des emplois aidés, etc., mais il faudra financer tôt ou tard. Parce que, bien sûr, il faut une révolution technologique sur l'énergie, sur l'agroalimentaire, c'est indispensable. Mais il faut aussi la financer. C'est le rôle des banques, c'est le rôle des États. Si les États sont surendettés, comment voulez-vous qu'ils financent cela? Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un devoir de courage et de transparence. Quand aujourd'hui on dit que la croissance française va être de 0,8% cette année, alors qu'on sait très bien qu'elle va être nulle, voire négative, on se met en danger nous-mêmes, parce que, ne l'oublions pas, aujourd'hui, près de 70% de la dette publique française est détenue par des investisseurs étrangers. Donc, ce n'est pas le dictat des marchés, c'est simplement, ce sont nos créanciers, on leur a demandé de nous prêter de l'argent. Donc, si demain, on ne donne pas des garanties sur notre crédibilité, notre sérieux, il risque d'avoir un coup près, et c'est ma grande crainte pour 2013, c'est que malheureusement, après avoir attaqué la Grèce, l'Espagne, l'Italie, on arrive à la France. Et ça, ça serait quand même extrêmement dommageable. Olivier Berruyer, un tout petit mot. Il n'y a pas eu d'étude d'impact dans cette loi, parce qu'on a dit, il y a une confidentialité, un secret des affaires. Ça, c'est le contraire pour moi de la transparence. Olivier Berruyer, très vite. Pour finir sur la réforme bancaire, j'ai été assez surpris de la réaction du président des banques populaires qui avait dit que c'était une très bonne réforme. Et pour rebondir sur votre annonce, tout à l'heure vous disiez, est-ce que c'est vraiment une guerre à la finance, une guerre qui commence par des bisous, c'est quand même une guerre qui ne va pas être extrêmement violente. Or, on voit qu'on a besoin de réformer en profondeur ce secteur bancaire. L'Allemagne a présenté une réforme très proche de celle qu'a présentée le gouvernement, quasiment copier-coller quand on regarde. C'est assez étonnant de voir que les conservateurs allemands proposent la même chose que le gouvernement en France. Donc espérons qu'on arrivera à réagir assez rapidement et avoir des réformes plus ambitieuses pour réguler la finance. La question centrale pour les années qui viennent, c'est la dette, justement. On tourne autour, il faut arriver à la liquider, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors effectivement, Olivier a rappelé que l'histoire économique est jonchée de faillites d'État. On n'est pas forcément obligé d'en arriver à ses extrémités, mais en tout cas, il va falloir qu'on allège ce fardeau, faute de quoi. Et c'est ça qui est saisissant, je trouve, en Europe aujourd'hui, c'est que d'un certain côté, les détenteurs du capital, c'est les gens relativement âgés, quoi, qui ont plus de 50 ans, qui ont accumulé, qui veulent que leur capital soit préservé, alors que dans le même temps, on impose justement aux classes jeunes des taux de chômage
incroyable en Europe du Sud, avec un jeune actif sur deux qui est au chômage, en Espagne ou en Grèce, et qu'on voit bien qu'il y a un blocage derrière cette crise de la dette, il y a une guerre des générations, il va falloir trouver l'issue, faute de quoi, justement, on pourrait connaître des troubles sociaux qui me semblent très inquiétants. Mirat Zaki, dernier mot. J'aimerais finir en disant que le monde aujourd'hui n'est pas prêt pour le prochain crack, parce qu'il n'a pas appris les leçons, et qu'il a récompensé l'échec. Et malheureusement, maintenant qu'on arrive à la possibilité d'une nouvelle, un nouvel épisode très difficile dans la finance qui après atteindra l'économie réelle de nouveau, eh bien, on n'a rien fait que des petites retouches et on va devoir retraverser un épisode encore difficile. Peut-être là, on apprendra vraiment de nos échecs. Merci tous les sept d'avoir participé à cette dernière émission de Ce soir ou jamais sur France 3. Je vous le rappelle, l'émission reviendra le vendredi 8 mars sur France 2 en deuxième partie de soirée à partir de 22h30. C'est là qu'on se retrouve et on se quitte avec Lilywood and the Prick. Ils sont français, ils nous interprètent un extrait de leur second album. Ça s'appelle Middle of the Night. Lilywood, c'est à vous. We'll be right back.
dernier mot sur ce sujet. N'hésitez pas, prolongez la discussion. Il y a toujours des choses à dire et à partager dans le forum de Ce soir ou jamais sur France3.fr. Vous vous souvenez de son nom, peut-être ? Il s'appelle Derrick, inspecteur Derrick. Tout de suite sur France 3. Demain, dans Pièce à conviction, des enlèvements mystères. C'est par ici qu'elle a disparu. Dans un pays prison. Yaeko Taguchi, 22 ans, enlevée en 1978. Dans quel but la Corée du Nord fait-elle enlever des étrangers par centaines ? Combien ont été enlevés ? Combien ont été piégés ? Ça ? Je ne sais pas. Enlevé en 1976. Vous savez, il y aurait eu aussi 3 Françaises. Je ne sais vraiment pas ce que ces Français font en Corée du Nord. Une enquête inédite, digne d'un roman d'espionnage. C'est Pièce à conviction, présentée par Patricia Loison. Demain à 23h05 sur France 3. Je n'ai pas du tout professionnellement, je vais à Munich, voyez-vous, je ne travaille plus depuis 3 ans. Non, je vais voir un de mes amis. J'ai le temps de faire ce que je veux après ça. Ah, il faut être disponible pour voir ses amis, moi je n'ai pas le temps. Mon travail avant tout. En fait, pour tout vous avouer, je suis commerçant, je voyage énormément pour rapporter des commandes. Vu la conjoncture actuelle, je dois imaginer que ça ne doit pas être très aisé. Mes journées sont tellement chargées que je n'ai pas une minute à moi à Munich. La seule chose que je me permette, c'est de passer une soirée à l'opéra pour me distraire. Vous allez à l'opéra ? Vous êtes amateur d'opéra ? Oh, c'est mon rêve d'aller à l'opéra. Seulement, c'est tellement difficile de trouver des places. À Munich, j'ai de très bonnes relations avec le portier de mon hôtel. Vous pensez rester à Munich longtemps ? Une semaine ou deux. Et comment s'appelle l'hôtel où vous descendez ? Oh, c'est un hôtel très simple. L'ami que je vais voir s'en est occupé. Grünwalderhof. Grünwalderhof ? Ça ne me dit rien du tout. Je vais me procurer le numéro de téléphone de cet hôtel. Peut-être que je vous obtiendrai 2 entrées. Dans ce cas, eh bien, je vous avoue que c'est un très, très grand plaisir pour moi. Ravi de vous avoir connu. Oui, voyager ainsi, c'est moins ennuyeux. De toute façon, je vous téléphone. Peut-être nous reverrons-nous. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour vos affaires. Merci à vous. Ça me fait plaisir de te voir. Je t'avoue que j'ai eu peur quand j'ai reçu ta lettre parce que je me suis dit que tu aurais eu un empêchement. Oh, pourquoi un empêchement ? Pour ta gouverne, il faut que tu saches que j'ai un rythme de vie différent. J'ai plus de loisirs. Et si tu savais ce que c'est agréable. Je n'ai pas l'intention de me laisser avoir par le temps et je vais rester ici. Oh, c'est formidable. Ça me fait très plaisir. Allez, viens. Toute sa vie, on est un peu obligé de s'engager. Il faut se débattre avec les problèmes à résoudre. Se jeter un corps perdu dans le travail. Et puis trop tard, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait. Oh. Assez triste la vie, non ? Oh, je n'en suis pas arrivé là encore. Allez, entre.
Ça ne te gêne pas d'être logé dans cet hôtel, j'espère. C'est un coin très tranquille, je suis certain que tu t'y plairas. Mais j'en suis persuadé, cet endroit est charmant. La chambre d'amis est occupée parce que j'ai trouvé une infirmière pour mon frère. Alors je suis obligé de l'héberger. Comment il va, ton frère? Pour le moment, il va très bien. Bonjour, monsieur. Vous avez fait bon voyage. Bonjour. Je vous demanderai de signer le registre. Chambre 4. Oh, allez, viens, je monte avec toi. C'est très bien. Je te l'avais dit, c'est un petit hôtel très correct. Tu peux laisser tes affaires ici, on va partir tout de suite chez moi. Est-ce que je peux me reposer une petite demi-heure? Oh, bien sûr que oui, voyons. Bon, je viendrai te chercher dans une heure, ou disons dans deux heures. Ça aura l'avantage de me tenir éveillé ce soir. Je serai plus en forme. Alors, à tout à l'heure. J'ai là un télégramme pour un monsieur Mazilk. Il est dans la chambre 4, au premier étage, au fond. Merci. Oui, entrez. Wolfgang? Oui, je suis là. Monsieur Mazilk est arrivé? Oui, je viens de le conduire à son hôtel. Je croyais que tu devais le ramener. Il voulait se reposer une heure ou deux. Et toi, ça va? Bien, oui. Ça s'améliore. Tu as l'air heureux ces jours-ci. Je te sens bien dans ta peau. Tu sais, c'est plutôt instable. Ça va, ça vient. Depuis quelques semaines, je me sens moins déprimé. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour moi. Oui, je sais bien. Tu trouves que je me plains trop souvent? Tu n'as pas demandé ça, Manuel. Ah, mademoiselle Morouf, il faut que je m'en aille. Ah, très bien. Où est Manuel? Il est dans le salon. Au fait, tant que vous êtes là, je voulais vous dire que depuis que vous êtes près de lui, Manuel est vraiment transformé. Je vous remercie. Écoutez, je suis désolé de vous dire ça entre deux courants d'air. Oh, ça fait rien, non. Non, c'est bien plus simple d'avoir à soigner des gens vraiment gentils. Ingrid? Vous ne me croirez jamais. Je ne vous ai pas entendu. Et pourtant, je savais que vous étiez là. Je l'avais senti. Qu'est-ce que vous avez senti? Votre présence ici. Est-ce possible, ça? Si vous le dites. Je suis persuadé qu'il existe une sorte d'onde qui passe entre certaines personnes. Un lien invisible. Vous n'avez rien senti? Non. Alors, c'est moi qui affabule. De toute façon, on ne peut pas m'empêcher de penser. Vous n'êtes pas d'accord? Personne ne vous empêche de penser. Ma fantaisie, c'est ma liberté. Ah, c'est vous, mademoiselle Ingrid. Comme c'est gentil d'avoir pensé à apporter des fleurs. Monsieur Mazilk va être très content. Monsieur Mazilk? Oui, c'est un vieil ami de mon frère. Il doit venir ici? Je pense qu'il ne tardera pas. Je vais dans ma chambre. Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Il paraît qu'il y a un invité. Monsieur Mazilk. Non. Il n'y aura pas d'invité à votre table. Monsieur
Bonjour, M. Mazik est toujours là. Oui, dans sa chambre. Merci, je connais le chemin. Bien, madame, je me charge de faire monter vos bagages. Christian ? C'est moi, Wolfgang. Ne me dis pas que tu dors encore. Christian ? Christian ? Christian, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Oh, bon sang. La chaîne stéréo est bien meilleure que dans ma chambre. Mon frère et moi, nous avons la même passion pour la musique. Je mets toujours cette phase d'abord. C'est mon esprit qui travaille. Il y a des tas de messages là-dedans. Est-ce que vous les entendez ? Donnez-moi la main. Votre frère devrait être revenu. Ça fait une heure qu'il est parti. Vous ne voulez pas téléphoner à l'hôtel? Pourquoi? Oui. Oui, peut-être. Donnez-moi le numéro de l'hôtel. Il est dans le carnet noir. Grünwalderhof. Grünwalderhof, je vous écoute. Un moment. Monsieur Rome. Oui. Téléphone. J'arrive. C'est votre frère. Merci. Manuel, c'est affreux ce qui vient d'arriver. Monsieur Mazilke a été abattu dans sa chambre. Qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il? Il paraît qu'on a abattu M. Mazilk. Comment est-ce que c'est arrivé? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que la police est là et elle a commencé à mener son enquête. Attends-moi, je rentre tout de suite. Enfin, qu'a-t-il bien pu se passer? Vous ne le connaissiez pas, c'est vrai. C'était quelqu'un de très gentil. Puis à peine arrivé à Munich, il s'est fait tuer. Madame Chasseur! Monsieur Mazilke est mort. Quand est arrivé le postier porteur du télégramme? Vous veniez à peine de partir. Vous lui avez donné le numéro de la chambre? Oui, je lui ai dit chambre 4 au premier étage. Et comme il fallait une signature, j'ai pris la liberté d'envoyer. Et vous l'aviez déjà vu, ce facteur? Non, ce ne sont jamais les mêmes employés, en général. Berger est déjà là-dessus. Bon, attendez. Enfin, qui a bien pu lui envoyer un télégramme, ici? Personne ne savait, à part moi, que Mazilke était au Grünwalderhof. Il y a une pièce où on peut parler tranquillement. Oui, tenez, ici. D'accord, vous je vous suis, allons-y. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, résumons un peu tout ça. Donc, M. Mazilke était un vieil ami à vous, exact? Oui. Vous êtes passé le prendre à la gare, puis vous êtes allé à son hôtel. C'est vous qui avez choisi le Grünwalderhof? Oui, effectivement. Tous mes amis descendent ici en général. Donc, à peine arrivé, M. Mazilke se fait assassiner à son hôtel au moment où il commençait à ranger ses affaires. Aucun employé de la poste n'est venu par ici. J'ai demandé et on m'a dit qu'aucun télégramme n'est arrivé pour M. Mazilke. Le meurtrier s'est fait passer pour un télégraphiste. Donc le meurtre a été prémédité, je pense. Dites-moi, qui était Mazilke? Eh bien, que puis-je vous dire? Un homme à la retraite. Et que faisait-il professionnellement? Eh bien, il était technicien en électronique, ou plutôt ingénieur. Il a travaillé pour plusieurs entreprises, divers instituts. Il ne travaille plus depuis 3 ans. A-t-il exercé d'autres activités depuis?
Non, il s'était complètement retiré des affaires. Il était veuf et n'avait aucun enfant. Il ne lui restait plus que sa sœur. Elle faisait le ménage chez lui. Que venait-il faire à Munich ? Il venait me rendre visite. On se connaît depuis des années. Il comptait rester 2 ou 3 semaines. Dites-moi, quelle est votre profession ? Je possède une entreprise de travaux publics. Au sujet du meurtre, vous ne voyez pas de motif possible ? Aucun, je suis désolé. Ingrid ? Ah, vous êtes là. Que se passe-t-il ? Je ne vous dérange pas ? Non. J'ai quelque chose à vous avouer. Je deviens nerveux lorsque je ne sais pas où vous êtes. Est-ce que ça vous choque ? Non. Ce n'est pas de la pitié. Non. J'aimerais le croire. J'aimerais tant. Manuel ? Oui, oui, je sais, Madame Chasson, c'est effroyable. Je vous présente mon frère et Mademoiselle Morhoff, son infirmière. Ces gens sont de la police. Bonjour. Enchanté. Manuel, c'est à peine croyable. Le meurtrier s'est fait passer pour un employé des postes qui prétendait avoir un télégramme pour Christian. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie ? Un vol ? Il ne manque à rien. Et c'était un facteur ? Oui, il s'agissait d'un faux employé des postes. Alors Monsieur Mazilk n'aurait pas été tué par accident ? Eh bien, je pense que non. Mais pour quel motif ? C'était quelqu'un qui jamais de sa vie n'aurait fait de mal à une mouche. C'est ça qui est curieux dans cette histoire. Il n'y a pas le moindre motif pour assassiner Mazilk. C'est une erreur, un malentendu. Pourquoi s'en est-on pris à lui ? Eh bien, c'est ce qu'on cherche. Le meurtrier a demandé Monsieur Mazilk. C'est lui qu'on voulait tuer. Ce n'est pas une erreur. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas la moindre explication. Et pourtant, il doit y en avoir une. Oui, je suis d'accord, seulement pour moi, ça reste un mystère absolu. Et ce monsieur Mazilk, vous le connaissiez aussi ? Oui. Vous êtes dans la maison depuis quand ? Elle est là depuis un mois. Infirmière ? Non, ce n'est pas une infirmière diplômée. Disons qu'elle est soignante, c'est ça. Mais il n'y a que vous qui habitez ici ? Non, il y a Mme Chausseur. Elle connaissait mon amie, elle aussi. Ça fait 10 ans qu'elle tient la maison. Et c'est tout, il n'y a plus personne. Non. Mais que signifient ces questions ? Eh bien, nous sommes obligés de penser que vous êtes impliqué. Moi, impliqué ? Oui, vous, votre famille, vos employés. Ce meurtre est en corrélation avec vous tous. Vraiment, je suis navré. Un type se fait tuer par des professionnels. Et apparemment, sans raison valable. Harry, nous savons qu'il s'agit de professionnels et les professionnels commettent rarement d'erreurs. Ils avaient automatiquement une raison de tuer M. Mazilk. Et quelle que soit cette raison, il fallait qu'elle soit importante. Où est-ce qu'il habite, ce monsieur Mazilk ? À Jülich. Alors, il faut prendre contact avec les collègues du coin. Ingrid, j'ai remarqué que vous aviez l'air effrayée. Ça vous a fait quelque chose, l'annonce de ce meurtre ? Le sort des autres personnes vous touche, on dirait. Oui. C'est rare de trouver des humains qui réagissent comme vous, Ingrid. La plupart des gens se fichent des autres, ils sont égoïstes. Et je suis bien content que vous ne soyez pas comme eux. Ce n'est pas très objectif, ce que je vous dis. Je n'avais pas besoin de preuves pour le constater. Je l'avais deviné. Qu'aviez-vous deviné ? Que
que j'ai beaucoup de chance de vous avoir auprès de moi. De la chance? Oui, exactement. Pour moi, c'est de la chance. Je n'espérais plus beaucoup de choses. Surtout dans la situation où je me trouve en ce moment. Je peux avoir un whisky? Bien sûr. Vous en voulez un? Non, merci. Prenez autre chose. Non, ça ira. Tenez, et si vous remettiez de la musique? Vous n'avez qu'à mettre l'autre face. Ingrid, la vie pour moi s'est arrêtée. Depuis que vous êtes là, ce n'est plus le cas. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris? Oui. Oui? Je t'en prie, entre. Ingrid, voudriez-vous, s'il vous plaît, nous laisser seuls? Entendu. Wolfgang, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu es amoureux. Je n'ai jamais vécu une chose pareille. Tu sais, c'est comme si je volais. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Je t'en prie, ne dis rien. Si jamais elle venait à disparaître, je mourrais. Voici en quelque sorte le noyau de notre entreprise. Ce que vous voyez ici s'étend sur deux étages, c'est le bureau d'études. Et ici, vous avez le bureau de planification, mais ce n'en est qu'une partie, car le reste se trouve dispersé dans différents endroits de la région. Nous avons les filiales. J'étais loin de penser que votre affaire était aussi grande. Elle est devenue plus grande que je ne l'espérais. Il fallait à tout prix développer l'industrie et je devais me plier à cette règle. Alors j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit qu'il fallait foncer. J'ai pu ainsi échapper à mes soucis. Je t'en prie, allez-y. Et ça, c'est le niveau de la direction. Combien de collaborateurs avez-vous? Oh, je ne sais pas au juste. Nous avons des contrats temporaires avec différentes maisons. Et s'il fallait compter avec ça, disons que nous serions environ 900. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, qu'on ne nous dérange pas. Bonjour, monsieur. Monsieur Martin demande à vous voir. Ah oui, je vous demande de m'excuser. Conduisez ces messieurs dans mon bureau. Je vous rejoins. Oui? Oui, c'est au sujet de l'affaire Brunnenhof. Il faut une signature. Je vous en prie, installez-vous. Merci. C'est une affaire qui tourne. Oui, en effet, c'est une très grosse entreprise. Qui implique des responsabilités. Encore une fois, je vous demande de m'excuser.
Mais ce qui s'est passé hier a bouleversé pas mal de choses. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que vous construisez ? Des routes, des ponts, des tunnels, enfin, des travaux publics, tout ce que nous pouvons techniquement mettre en œuvre. Est-ce que M. Mazilke avait un rapport avec ce que vous construisez ? Oh, mais non, bien sûr. Il travaillait dans un domaine tout à fait différent. Nous avons appris de notre côté qu'il travaillait dans une entreprise collaborant avec la centrale nucléaire de Jülich. Vous êtes bien d'accord ? Entre autres, mais pas de façon exclusive. Les raisons pour lesquelles il s'est arrêté sont connues de tout le monde, en tout cas. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Le département dans lequel travaillait Mazilke a dû faire face à une affaire d'espionnage industriel. N'ayant pas retrouvé le coupable, c'est M. Mazilke qui en a été jugé responsable. Et il a dû prendre sa retraite plus tôt que prévu. C'est l'expression espionnage qui vous surprend ? C'est, oui. Mais il y a déjà 3 ans que cette histoire a eu lieu. Cela ne peut donc avoir aucun rapport avec le crime. C'est de l'histoire ancienne. Mmh. J'ai encore une chose à vous demander, rien qu'une. Je me souviens que tout à l'heure, vous nous avez dit que vous vouliez foncer de manière à vous sortir de vos ennuis, à penser à autre chose. Que vouliez-vous dire par là ? Il s'agit d'une affaire personnelle. Vous avez vu mon frère. Mmh. En fait, il est paralysé des membres inférieurs. Et je suis le seul responsable de cet accident. Je rentrais ma voiture au garage, seulement je n'ai pas vu mon frère. Et je l'ai renversé. Vous comprendrez que depuis ce jour-là, ma vie s'est trouvée quelque peu bouleversée. Et c'est depuis que mon frère a pris la première place. Bonsoir, monsieur. Voulez-vous dîner tout de suite ou préférez-vous attendre votre frère ? Mais il n'est pas encore là. Ça fait 3 heures qu'il est en ville avec mademoiselle Ingrid. En ville à cette heure-ci ? Enfin, il fait déjà nuit. Je commence aussi à m'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire ? Où est-ce qu'il voulait aller ? Je n'en sais rien, il ne m'a rien dit. Ah, mais voilà une voiture. C'est toi, Manuel. Je t'apporte ta chaise. Allez, viens. Je vais t'aider. Non, non, laisse. Ygritte va le faire. C'est une experte. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens à cette heure-ci ? J'avais seulement envie de voir la ville. Oh, pas seulement à l'heure où les nourrices promènent les enfants dans les jardins, mais la nuit. Tu ne risques pas de fatiguer mademoiselle Morov ? Oh, bien sûr que non, elle me l'aurait dit tout de suite. Mademoiselle Morov et moi avons des relations tout à fait définies. Elle veille sur moi et je me sens tout à fait bien avec Ingrid. Si on mangeait quelque chose, Ingrid ? Tu sais, je voulais rester dehors un petit peu plus longtemps. Mais en fait, j'avais peur que tu t'inquiètes. Ce sera pour la prochaine fois. Demain, peut-être. Oui, un petit moment. C'est la sœur de M. Mazilke. Elle est au courant, paraît-il. Allô ? Oui, ici Anna Degenhardt. Allez-y, posez vos questions, inspecteur. Écoutez, je voudrais absolument vous aider afin de retrouver le meurtrier de mon frère et de le mettre sous les verrous. Oui. Eh bien, il s'agit pour le moment de documents qui ont disparu dans l'entreprise où votre frère travaillait.
Et ces documents contenaient le fruit d'un travail de plusieurs années. Je pense que le fait qu'ils aient disparu, à l'époque, représentait une perte importante. Oui, une histoire d'espionnage industriel, paraît-il. Mais c'est mon frère qui en a assumé la responsabilité, sans avoir rien fait. Est-ce que vous pourriez être plus clair ? Mon frère a réussi à découvrir qui était l'auteur de ce vol. C'était sa secrétaire. Une jeune fille qui, pour ce travail, a, comment dirais-je, subi des pressions, voyez-vous. Je ne sais quelles sont les raisons exactes qui ont fait qu'elle n'a pu se défendre. Seulement ces raisons me semblent assez suffisantes pour que mon frère s'arrange pour lui éviter d'aller devant le tribunal et en prison. Et comment s'appelait-elle ? Mademoiselle Rosner. Et est-ce que c'était son vrai nom ? Non, ça, je ne saurais vous le dire. Cette personne dont vous venez de me parler, est-ce que c'était une jeune fille plutôt séduisante ? Des yeux marrons et des cheveux châtains ? Vous connaissez cette jeune fille ? Oui, peut-être, je ne sais pas encore. Je viens d'avoir une idée, Madame Degenhardt, je vais vous envoyer sa photo. Je vois, oui. Il s'agit d'une espèce d'identification, n'est-ce pas ? Oui, merci, Madame Degenhardt. Tout devient clair. La secrétaire de Mazilke et l'infirmière de Manuel ne font qu'une et même personne. Si jamais c'est exact, on a trouvé le motif du meurtre de Mazilke. Il ne fallait surtout pas qu'il retrouve sa secrétaire après cette histoire. Et qui plus est, sous le toit de ce room. Sous un faux nom, par-dessus le marché. La seule façon d'éviter ça, c'est le meurtre. Ce ne sera pas une mince affaire, seulement si on sait pourquoi la jeune fille travaille là-bas, nous aurons toute la clé de cette histoire. Oui, un instant. Monsieur Rome, il y a au bout du fil quelqu'un qui veut vous parler, mais il ne veut dire ni son nom ni la raison de son appel. Alors, raccrochez. Il dit que c'est au sujet de votre frère. Bon, alors passez-le-moi. Je vous le passe.